Ok, bon, c'est bon pour vous? Ok, pareil. Alors, bah, je vais faire le clap. Bah, vous pouvez lancer, hein. On va faire le clap histoire de, et puis vous me dites quand c'est bon. Ok, moi c'est lancé, c'est bon. C'est lancé pour moi aussi. C'est lancé. Parfait. Je viens de réaliser que la bière c'était peut-être. Ah bah tiens, attends, il m'appelle. Oui, hello? Ouais, c'est JB. Je suis désolé, j'étais au boulot avec le taf, ils ont une grosse galère sur place. J'essaye de voir si je peux résoudre le truc en moins de 5 minutes, mais ça va être compliqué. D'accord, bah écoute, prends ton temps, tu me tiens au courant, envoie-moi un petit mot sur Facebook et on te Ok. fait, tu intègres la conversation quand tu peux, si tu peux. D'accord. Bah ouais, commencez sans moi parce que là, faut que je me connecte avec mon ordi de télétravail, il faut que je me mette, il faut que voilà, des galères. Pas de problème. Bon bah, Désolé. non, non, mais ça fera partie du bonus, là, t'enregistrer. Ok. Allez, à plus. À plus. Voilà, comme ça, on aura un peu JB quand même parmi nous dans l'enregistrement. Je vais faire le petit clap, vous êtes prêts? Attention les oreilles. 3, 2, 1. Bon, en fait, c'était un petit clap. Vous vous rappelez? Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie! J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que... Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous écoutez le 31e numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries qui revient après bah, je sais plus combien de mois de retard. Alors, il y a bien eu l'épisode sur Fly diffusé il y a peu, mais il avait été enregistré en tout début d'année. La photo confinement, of course, mais pas que. Quoi qu'il en soit, on repart pour un tour en s'intéressant à un jeu vidéo forcément culte, vu qu'on en parle ici. Jeu qui fait clairement partie des foudres de guerre de la PlayStation première du nom. Même si le confinement est derrière nous, les invités de ce numéro m'entourent virtuellement. On a décidé d'être prudent et donc d'enregistrer chacun chez soi. C'est donc le premier épisode de Pas trop vieux qu'on fait avec l'ensemble des invités à distance. Mais je suis sûr que ça va le faire. En tout cas, pour le moment, tout est stable. Les invités, les voici. Là, si je lis mes notes, j'étais censé vous dire bah, d'abord, on va commencer avec JB. Mais JB a des galères de boulot, donc il va peut-être nous rejoindre. Donc on enchaîne avec Audrey, qui je crois n'est pas venue à ce micro depuis l'épisode sur Lois et Clark. Je me trompe? Oui, c'est vrai que ça remonte à un non, petit non, moment, non. Ouais. Bah non, non, c'était Dragon Ball. T'étais là aussi en public. Attends, je sais plus, il y a eu Batman et... Ah non, Batman c'était plus ancien. Ah ouais? Ah bah dis donc. Bah c'était Lois et Clark, ouais. C'était Lois et Clark. Bon et comment... Oh, le Lycorium est fermé j'imagine. Oui, on attend, on espère qu'on rejoint, sinon ben, on continue d'attendre. Ben oui, j'ai vu ça, en tous les cas, c'est je vous ça. souhaite une bonne réouverture, et donc on indique que le l'Écorium, c'est un bar à cocktail où tu es chef barmaid, en plein milieu de Paris. Avec nous aussi, on a Johan, qui se fait désirer, puisqu'on ne l'a entendu jusqu'à présent que dans le fameux double numéro sur Dragon Ball, justement, comme je disais. Salut Johan. Salut. Alors, toi, tu es ouais, libraire. Ça fait longtemps. Bah ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, vu que bah, t'étais venu dans cet épisode sur Dragon Ball, mais je sais pas si on avait présenté les gens dignement, donc à toi. On était nombreux ce jour-là. Je sais plus non plus. Moi, je suis donc libraire, effectivement, à Paris, dans une librairie qui s'appelle BDNet Nation, qui est spécialisée en bande dessinée. Et un gros gros fan de jeux vidéo dans l'ensemble et tout plus particulièrement de MGS d'ailleurs. Et ben c'est pour ça qu'on t'a attendu pour faire ce numéro, même si bah, les circonstances étaient un peu particulières. Toi, bon moi, BDNet Nation a réouvert, hein, il y a peu, donc on peut renvoyer les gens chez toi. Donc voilà, c'est ça. Aller dépenser des sous pour de la culture. Et enfin, on accueille un petit nouveau, la personne de Guillaume. Salut! Salut.
Et toi aussi, maintenant que j'y pense, tu étais présent à l'enregistrement de l'épisode sur Dragon Ball. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, dans le public, c'est ça. Et bah voilà. Félicitations pour cette promotion et présente-toi comme tu veux. Je suis très touché, très touché. Alors, que peux-tu dire sur toi? Alors, sur moi, bah, rien de bien passionnant. Je suis prof de lettres-histoire dans un lycée de Nanterre. Et voilà. Et si jamais mes élèves passent par là, évidemment que je leur fais un bisou. Donc tu es un prof virtuel en ce moment, tu es un hologramme pour beaucoup d'élèves. C'est ça, exactement. Cours à distance. Ben, chapeau. Ça me revient, on t'a entendu il n'y a pas très longtemps dans Comics Bug. Ouais, c'est ça, j'ai fait ils avaient fait donc une campagne de financement et du coup ils avaient invité des lecteurs à venir participer. J'avais fait un podcast d'actualité et un sur le relaunch de la saga X-Men par Hickman. Voilà, donc on peut t'entendre dans le podcast de Comics Blog. On salue Arnaud et Corentin s'ils nous écoutent, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Bienvenue et merci à tous de votre présence. Vous avoir est d'autant plus important que vous avez tous des jobs qui sont touchés par la crise. Soit vous êtes bloqués, vous douillez, soit vous bossez et vous encourez un risque. Donc merci beaucoup pour tout ça et pour bien vouloir tester ce format un peu différent, pas tant dans la forme ni dans le fond, mais dans son organisation, on va dire. Donc on salue JB s'il ne nous rejoint pas, et on dit un coucou aussi à Basile qui a failli être des nôtres et qui n'a pas pu pour raison familiale. Et donc c'est parti, tous ensemble, on va parler du premier opus, tu l'as dit, Joanne, tout à l'heure, de l'une de nos sagas favorites, à savoir Metal Gear Solid. Vous aurez tous reconnu le thème de la saga tel qu'on l'entendait dans MGS1. Oui, ce n'est pas encore la réorchestration qu'on entendra dans le 2 et qui sera sublimée dans le 3. Parce que le plan initial, c'était qu'on fasse un épisode sur l'ensemble de la saga. Mais on ne parlera que du premier épisode, vu nos conditions d'enregistrement. On va se contenter de faire un numéro traditionnel d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie grand max. Et de toute façon, si vous voulez un podcast sur l'ensemble de la série, vous aurez droit très bientôt à un numéro de Logos sur le sujet. Logos, c'est l'émission de Benji, qu'on salue s'il nous écoute, et lui peut-être qu'il nous écoute. C'est une émission qui analyse en profondeur des œuvres variées. C'est un podcast qui ne compte que 3 ou 4 épisodes, mais ils sont tous très intéressants, donc je vous les conseille. D'autant que JB, s'il ne participe pas à cet épisode, je crois qu'il participera à l'épisode de MGS de Logos. Voilà une raison de plus. Rassurez-vous, on parlera quand même un peu des autres épisodes en fin d'émission. On va entrer dans le vif du sujet et comme d'hab, je vais demander au dernier arrivé de le présenter à sa façon. Guillaume, c'est ton baptême du feu. Ah ok, donc faut que je m'y colle. Donc Metal Gear Solid, c'est un jeu qui est, comme tu l'as dit, qui est sorti sur la première PlayStation, 98 et 99 pour l'Europe. C'est créé par Hideo Kojima, je pense qu'un créateur que tout le monde connaît maintenant. Et c'est développé par Konami, un développeur que je pense que tout le monde connaît aussi. Et en réalité, donc là on dit que c'est le premier épisode de la saga, en fait c'est le troisième parce qu'il y avait deux premiers épisodes qui étaient sortis sur des consoles avant. MSX, Metal Gear 1 et 2, si je me souviens bien, un truc du genre. Metal Gear et Metal Gear 2 Solid Snake, il me semble. Et je crois que c'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde parce qu'il révolutionne un peu il crée vraiment la 3D avec, il crée vraiment l'infiltration avec de la 3D en profitant des capacités de la PS1. Ouais, c'est clairement un jeu qui a lancé l'infiltration, qui a donné ses lettres de noblesse au genre de l'infiltration, c'en est devenu un avec. Et Tenchu et Splinter Cell sont arrivés peu après ou un peu avant, je ne sais plus exactement. C'était une exclu PS1.
Johan, tu veux rajouter un truc? Non, je pense qu'on est à peu près, on est bien là, non? Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que effectivement, c'est un jeu d'infiltration, enfin, c'est un nouveau genre de jeu d'infiltration en 3D, mais c'est devenu un jeu d'infiltration, enfin, c'était pas prévu que ce soit un jeu d'infiltration, c'était un jeu d'action à la base, mais ils n'avaient pas la capacité technologique, donc c'est devenu un jeu d'infiltration en fait. C'est C'est comme ça que pour ça a ce... été créé, quoi. les anciens Metal Gear ou celui-là particulièrement? Et ben, c'est même dans les anciens, il me semble, puisque en fait, le problème, c'était que dans les jeux d'action, il devait y avoir des impacts de balles, enfin, il y avait pas mal de choses qu'il devait créer, qu'il n'était pas capable de créer, donc c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le jeu d'infiltration. Et c'est Non, peut-être des cœur. trucs. Bah, Et moi, du coup, j'ai. ça a marché. Bah, Ça a marché. manifestement, oui. C'est certainement une info qu'il y a dans un bouquin qui est sorti chez Sword que j'ai acheté et qui est encore dans un carton. Donc voilà, j'ai pas préparé cette émission plus que Ouais, ça. j'avais acheté. Bah, j'avais fait une saga spéciale Metal Gear, comme pour les Zelda et autres. C'est parti des mêmes, de la même branche. Je me rattraperai si un jour on fait un numéro spécial dommage collatéral sur Kojima. Ouais, Bref, je précise qu'on va se passer du chronomètre pour cet épisode encore une fois, mais pour les raisons techniques dont j'ai parlé à l'instant. Mais je garderai un œil à ma montre, d'autant qu'il est 22h moins une minute si je la regarde, donc ça fait un truc facile à retenir. Comment Solid Snake est entré dans votre vie? Vous aviez quel âge? Où vous étiez? Dites-moi tout, Audrey. Ben, j'étais encore jeune adolescente et moi je sais que j'ai découvert via la démo puisque en fait j'achetais beaucoup les magazines de jeux et il y avait des démos à l'époque, un CD et tout, ouais super jeu en avant-première démo et j'étais assez bah, j'étais hyper surprise parce que c'était déjà premier jeu d'infiltration en fait que je faisais et puis c'était bah, PlayStation, c'était waouh quoi. Incroyable, il y avait vraiment une découverte de jouabilité en fait, un nouveau style de jeu, une nouvelle manière de jouer et en plus différentes manières de jouer. Et moi je me souviens qu'au début, donc je jouais à la démo et j'avais quand même une difficulté à jouer parce qu'il fallait prendre le temps de comprendre. On avait l'habitude d'avoir des jeux d'action. Quelques RPG ou des jeux un peu plus loin, et puis là, bah, non, en fait. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps, et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup fait et refait cette démo. Et puis bah, ça a marché, hein, je l'ai acheté le jeu. Et donc, ça a été un jeu qui m'a beaucoup surpris, et j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu plaisir à refaire la démo, quoi. Je t'interromps 30 secondes. JB, tu nous entends? Colonel, ici Snake, est-ce que tu me reçois? Je prends ça pour un oui. Salut JB. Bonjour à tous, désolé du retard. Non, non, mais ça y est, t'as sauvé la situation. Oui, c'est bon. Le missile nucléaire ne sera pas lancé. C'est bon, tout va bien à Zanzibar BFM. Ouais. Tu veux te présenter en quelques mots, même si les gens qui ont écouté le dernier épisode bah, te connaissent. Ouais, pour faire vite, je parle plus de Metal Gear ou de moi? De ce que tu veux, chouchou. Ah, bah moi, vous me connaissez peut-être pour mon travail sur Outrider et Landrider. Donc, deux podcasts, un sur Star Wars et l'autre sur Warhammer. J'ai fait partie pendant quelques années de toute l'équipe Arts, donc Comics Blog, Sci-Fantasy, 9e Art. Et j'officie un petit peu dans le monde du podcast comme ça depuis quelques années maintenant. J'ai déjà fait un hommage collatéral, quelques pas trop vieux. Voilà. Voilà. Bah, en fait, comme tu es arrivé au moment où je venais de lancer la première question, donc je vais te relancer dans un instant, d'accord? Ok. Johan, à toi, ta découverte de Solid Snake. Ma découverte de Solid Snake, ça a été par les magazines de jeux vidéo de l'époque. Alors, c'est amusant parce que j'ai une idée très précise de la couverture du magazine de l'époque, mais je suis incapable de retrouver exactement lequel c'est. Et en fait, c'était l'aspect graphique, le dessin de Yoji Shinkawa qui m'avait marqué dans un premier temps et qui m'avait intrigué. Alors en vrai, il y avait deux choses. Il y avait ça et il y avait l'aspect militariste du jeu qui m'intriguait énormément. Je m'attendais justement à un jeu d'action. On en parlait un petit peu plus tôt. Et en fait, j'ai suivi le développement de MGS ou en tout cas toute la préparation
avant sa sortie, à travers les magazines, ce genre de choses. J'ai acheté plusieurs magazines juste parce qu'ils parlaient en long, en large et en travers de ce jeu, qui m'intriguait beaucoup parce qu'on parlait donc de l'infiltration, on parlait de personnages assez particuliers, on parlait de mecha, qui était une passion un peu naissante à l'époque par là même également. Et petit à petit, je me suis fait mon petit MGS dans ma tête avant même la sortie du jeu, et je trépignais à l'idée de le découvrir. Mais comme je disais, j'ai pas été déçu puisque j'ai suivi la saga de long en long, en large et en travers, et que ça reste aujourd'hui probablement ma favorite, à vrai dire. D'accord. JB, ta découverte? Alors moi, mais alors les tout le premier souvenir que j'ai de Metal Gear Solid, ça doit être dans un vieux PlayStation Magazine quand j'étais petit, parce qu'il y avait des, je sais plus à quelle rubrique du magazine, il y avait un espèce d'encart avec les jeux qu'on attend, et il y avait genre quatre jeux et juste quatre images et un rapide descriptif de ce que ça pouvait être. Et ça, vraiment, c'est mon premier souvenir de Metal Gear, et j'étais intrigué par le côté infiltration en fait, parce que je comprenais pas trop. Le but de pas tuer les ennemis. Je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, le jeu, je l'ai découvert chez un ami à moi. Il l'avait eu, je pense, pour son anniversaire, un truc comme ça. Et on y a joué tout l'après-midi. On est allé jusqu'au premier boss. Et s'en est ensuite passé un vide d'à peu près 6 mois avant que j'aie assez d'argent pour m'acheter moi-même le jeu. Et pour pouvoir y jouer, je me souviens notamment, j'avais fait ça un été à Toulouse chez mon cousin. Et bah, je vous parlerai de ce qui s'est passé au moment où j'ai terminé le jeu, parce que j'ai failli avoir des ennuis. Ah, ça implique pas un début de bromance, voire plus avec ton cousin. Non, non, ça implique de rater un avion. D'accord. Je te relancerai le moment venu. Guillaume. Bah pareil que vous tous, un peu, c'était PlayStation Magazine avec le CD de démo qui était fourni à l'époque. J'avais 9 ans quand c'est sorti, du coup au début je suis un peu passé à côté, enfin je faisais toutes les démos qu'il y avait. Celle-ci elle m'avait interpellé pour le côté cinématographique, l'introduction très très longue, etc. Et pareil, je crois que c'est JB qui a dit ça, je comprenais pas pourquoi on pouvait pas tuer les ennemis en fait, pourquoi ils se relevaient tout le temps, tout le temps. En plus je crois que la démo était en anglais et à 9 ans bah, mon anglais il était pas super quoi. Et du coup la démo m'a énormément intrigué et je la faisais en boucle. Parce que je pense qu'il n'y avait rien d'autre sur le CD qui était sorti à l'époque. Et je la faisais en boucle, je la ressortais régulièrement, mais par contre, je ne sais pas pourquoi, j'y pense maintenant. J'ai jamais demandé le jeu à Noël ou à un anniversaire, par exemple. Et du coup, je ne suis pas un vrai de vrai, parce que mon premier MGS, moi, c'est Metal Gear Solid 3, le meilleur, que j'avais acheté, que j'avais acheté à sa sortie, parce que là, pour le coup, le magazine en parlait beaucoup. Et donc ensuite, mission infiltration dans tous les magasins disponibles à Rouen pour trouver un MGS. Sur PlayStation 1, et pareil, un drame en finissant le jeu parce qu'il y avait une énorme rayure sur le CD au moment de la course-poursuite finale, ce qui m'obligeait à rebooter la PS1, je sais pas, non, c'était la PS2 du coup à cette époque, je sais pas combien de fois pour pouvoir voir la fin, quoi. Mais du coup, c'est le souvenir, il est vachement présent, et je pense que j'ai encore le CD de démo chez ma mère qui doit traîner quelque part. Du coup, tu viens de dire que c'est ton premier, c'était le 3, mais les autres, est-ce que le MGS 1 était votre premier MGS, Audrey? Pour moi, c'était sur PlayStation 1, c'était le premier MGS que j'avais fait, mais que j'avais Joël? découvert du coup la démo. Totalement. Moi, je venais d'avoir la PlayStation, d'ailleurs, quelques mois plus tôt. J'avais un seul jeu à l'époque, je pense, à part celui-ci, qui était Final Fantasy VII. Et je m'étais lancé dans une quête pas possible pour essayer de choper MGS parce qu'à l'époque j'habitais à côté d'Amiens et ça avait été une galère de passer de magasin en magasin. J'y avais passé 2 bonnes heures avec mes parents en voiture pour réussir à le trouver. Et du coup, ça avait été 2 grandes claques. Mes 2 premiers jeux PlayStation, Final Fantasy VII et Metal Gear Solid, ça laisse des marques. Oui, après, Je le vous. troisième jeu, forcément, statistiquement, il est moins bon. Ouais, tu tombes des nues. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, je m'en souviens même pas, tu vois. J'y vais. Oui, c'était mon premier. J'avais pas eu de NEC ou de console avant, donc j'avais pas pu faire les premiers Metal Gear. Mais je les ai ensuite difficilement rattrapés parce que c'était quand même des jeux assez durs. Moi, ma découverte, elle s'est faite aussi forcément, et c'est marrant parce que autant je visionne parfois toutes les couves, voire certains articles extrêmement bien de Player One, qui était en fait le magazine que j'achetais. Je pense qu'on fera un numéro sur l'après-JV, hein, d'ailleurs. Mais là, Metal Gear Solid, j'ai assez peu de souvenirs de ma découverte presse, par exemple. Comment
J'ai été amené à découvrir le jeu. Je crois que mes vrais premiers souvenirs concernent en fait la galette en elle-même qui avait été piratée par un pote, Lionel, qui, comme c'était 3 CD, m'avait fait un prix très très avantageux pour lui. Donc j'avais un peu douillé, et je crois que la galette fonctionnait, celle-là. Il y avait des petits soucis de copie de CD à l'époque, hein. Bah, c'était le début d'une longue histoire d'amour avec le genre de l'infiltration pour moi, et notamment avec la saga. Bah, comme c'était un réel blockbuster, bah, j'en ai pris plein les mirettes. J'y ai joué forcément après Final Fantasy VII, puisque j'ai acheté la PlayStation pour ce jeu-là. Mais très clairement, je crois que, bah, comme toi, Johan, c'est ces deux-là que je retiens de cette époque, quoi. Est-ce que c'était votre premier jeu d'infiltration aussi? JB? Oui, parce que avant j'avais fait pas plus des plateformes, des jeux comme ça qui étaient un peu plus accessibles quand t'es plus jeune. J'étais moi aussi tombé dans le RPG japonais avec pas Final Fantasy VII, mais d'abord Breath of Fire. Final Fantasy était arrivé après, mais oui, MGS c'est mon premier jeu d'infiltration. Parce qu'en vrai, j'ai même pas souvenir qu'il y avait, en tout cas sur PlayStation, de jeux d'infiltration avant celui-là. Parce que si tu me parles d'un autre jeu d'infiltration, je vais penser à Splinter Cell. peut-être, ouais, Splinter Cell, mais il est sorti après, donc voilà. Guillaume? Ouais, c'était mon premier jeu d'infiltration. Pareil, moi j'étais beaucoup sur les Final Fantasy, bizarrement, avant MGS, et tous les RPG qu'il y avait sur la PlayStation 1, et je jouais pas beaucoup à d'autres jeux en fait. D'accord. Johan? Pareil, j'ai aucun souvenir d'avoir croisé un jeu d'infiltration avant celui-ci. Et c'est ce qui explique en fait aussi l'attrait qu'a eu le jeu sur moi de toute manière. C'est que c'était quelque chose de relativement nouveau en fait. Et j'avais quand même tendance à poncer la presse vidéoludique à l'époque. Et vraiment, ça me semblait être un ovni au milieu de la masse quand même. Mais clairement, ouais. Audrey? Oui, bah comme je disais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu que j'ai beaucoup beaucoup rejoué à la démo parce que c'était vraiment nouveau pour moi. J'avais jamais joué à ça. Il y avait une découverte, il y avait un peu d'incompréhension, une nouvelle jouabilité, une difficulté que je n'avais pas connue avant. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup répété la démo. Moi, je crois que c'était le deuxième. Parce que j'ai dû jouer à Tenchu avant, donc un jeu de ninja où bah, il fallait la jouer bah, sneaky, et j'ai beaucoup de souvenirs de Tenchu. Il y avait notamment un mode justement d'entraînement où il fallait être le plus discret possible, et je crois que je l'ai rincé. Et comme techniquement c'était quand même un peu en dessous de MGS, alors que c'était quand même très fort, je crois que c'était avant. Ou alors je l'ai découvert bien Tu après. viens de me rappeler l'existence de Tenchu, j'avais complètement oublié ce jeu, C'était alors bien. que j'ai rincé les deux premiers, mais comme pas possible. J'ai fait que le premier, moi, j'étais effondré à la toute fin. Et c'était sympa, ça partait un peu dans tous les sens. Hein. Il y en avait un peu trop, mais c'était vachement bien ça. Et ouais, Ouais, et du coup, je crois. alors contrairement à MGS sur l'infiltration, ce que Tenchu souffrait d'un problème, c'est qu'il était sur des vrais environnements complètement 3D et il y avait un brouillard assez affreux au bout de 15 mètres, donc c'était difficile de voir les ennemis en fait. Ouais. Alors qu'MGS avec ce système de radar et au final MGS1 c'est limite un jeu en 2D en fait en termes de gameplay, il y a très peu de relations en termes de 3D sur les plateaux de jeu, donc tu vois du dessus et puis ça allait comme ça quoi. Mais je me ouais, t'es une chou, très bon souvenir aussi, merci. Je vais y jouer. Je t'en prie. Et sinon, ouais, j'ai des vagues souvenirs. Bah, ça faisait pas partie c'était pas des jeux d'infiltration proprement parlé, mais de séquences dans des vieux jeux Mega Drive, sans doute du Quackshot ou du Mickey Mouse où il fallait justement attendre que les ennemis passent ou des trucs comme ça. Tu vois, c'était juste cette dynamique-là qui me revient là. Du coup, vous avez parlé de vos découvertes. Maintenant, bah, je veux en savoir un peu plus. Quelles furent vos premières impressions au tout début du jeu, puis au fur et à mesure, hein. Guillaume. La première impression, du coup, bah, quand j'ai eu le jeu, hein, pas la démo, du coup, bah, comme j'avais déjà fait le 3, j'en pouvais plus de voir un peu l'épisode qui avait vraiment tout lancé. Et du Ah coup, oui, j'étais direct déjà à fond dedans. J'avais calé ma soirée, fermé la porte de la chambre à clé pour pas être dérangé et tout. c'est Enfin, le mode ado total, quoi. Et non, et c'était tout simplement incroyable parce qu'en fait, j'avais très peur de découvrir le premier après avoir fait le 3, notamment. Et du coup, en fait, le jeu, déjà, je l'ai refait je crois, en octobre ou novembre dernier.
Il a vieilli graphiquement, mais en termes de gameplay, c'est toujours d'une précision impeccable, quoi. Et l'histoire, enfin, elle est prenante dès le début, de toute façon. Et rien que pour cette intro, et ce que j'aime beaucoup dans les MGS, c'est cette capacité qu'ils ont comment dire, à repousser le début du jeu avec la cinématique qui arrive avant le menu, puis écouter le briefing dans le menu, etc., puis lancer le jeu, etc., qui reprend quelques petits éléments que tu n'as pas vus, mais pas tous non plus, et jusqu'à ce que tu puisses enfin diriger Snake, il y a plusieurs longues minutes qui s'écoulent, quoi. Et donc, non, les premières minutes, elles étaient incroyables. Et puis après, bah, le déroulé du jeu, bah, être bloqué, je pense, comme tout le monde sur les mêmes étapes, je pense que c'est ça qui est rigolo quand on parle de MGS avec des gens, c'est de se rendre compte que Kojima nous a tous eus au même moment et que personne n'a eu vraiment l'idée directement de ce qu'il fallait faire pour se débloquer. Donc, non, non, c'est pas mon MGS préféré, mais il se classe juste en dessous du 3, du coup. Justement, toi qui as commencé par le 3 et du coup qui a fait la préquelle en premier lieu, t'as pas été perdu, quoi. T'étais en terrain connu, tu savais de quoi les gens parlaient. Parce que moi, je me souviens que d'être un peu largué pendant la séquence de briefing, tu sais, où Snake en veut à Campbell de l'avoir un peu en relais de force. Et il y a énormément d'éléments. Bah sur Big Boss, etc., et notamment sur le contexte des premiers Metal Gear, où je me disais, fou là, je comprends pas tout. J'ai eu ce sentiment-là à un long moment, quoi. Et donc, toi, t'as pas eu. Forcément, toi, ça s'est passé comme sur la roulette? Déjà, quand tu finis Metal Gear Solid, tu as toujours un générique avec une chronologie qui s'affiche. Donc, j'avais déjà entendu des termes techniques comme les enfants terribles ou les fils de Big Boss et tout. Et surtout, à l'époque, on faisait un truc trop bien qui était les livrets dans les jeux où tu avais plusieurs pages qui t'expliquaient le background de tous les C'est vrai. personnages. Et d'ailleurs, il me semble, j'ai pas vérifié, mais je l'ai à côté, je pourrais le faire, qu'il y avait le résumé de Metal Gear et Metal Gear 2, je crois. Bah ouais, mais moi j'avais une version pirate, donc j'en ai été dispensé de cet outil-là. Audrey? Oui. Eh bien, qui m'avait plus. Enfin, déjà, faut savoir que c'était pas un jeu que j'ai fait en partie toute seule, parce que comme nouveauté, nouveau jeu, bah, dit les amis qui viennent à la maison pour le tester. Donc c'était un peu le jeu où vous étiez en manette, on n'arrivait pas à une zone, bah, il y en a un qui le faisait. Moi, je sais que déjà de lancer dans le jeu, j'avais l'impression d'avoir mis un film et je me lançais déjà dans une action. Enfin voilà, c'est le héros, il est là, il va tout de suite dans une base. Enfin voilà, il y a un côté un peu film avec l'éditeur, les noms des éditeurs, toutes les personnes qui ont participé un peu au jeu. Donc c'était déjà assez nouveau. Et puis après, il y avait moi, ce qui m'avait un peu déjà marqué tout de suite, c'est le son, la musique. Et puis ben, en plus, c'est devenu culte, tous ces sons qu'on retrouve de Metal Gear Solid. Et puis ce côté en fait sérieux et un peu décalé quand même dans leur discours, leur manière de parler, un humour hein, qu'on peut retrouver quand même à certains moments. Et du coup, c'est pas vraiment ce que je m'y attendais et qui m'a surpris. Et du coup, je me suis bien attachée à ça. D'accord. JB. Bah, pour embrayer sur le son, moi, c'est un petit peu ça. Le premier truc qui m'a vraiment surpris dans le jeu, en fait, c'était les dialogues. C'était que d'habitude, les jeux vidéo que j'avais faits, il y avait des fois un peu de voix et trucs comme ça, mais c'était pas des vrais dialogues. Et là, il y avait vraiment les personnages qui parlaient entre eux, bon, notamment au début via le codec. Et surtout, j'ai une passion pour la VF de ce jeu. Il y a des séquences que je connais, mais par cœur de la VF, quoi. Parce qu'elle est. Elle est tellement. C'est une VF des années 90, c'est une VF de film NT1, tu vois. C'est pas du tout qualitatif en termes de traduction. Et le jeu des acteurs, ils surjouent tous. Et c'est vraiment ridicule à certains moments, mais je trouve que ça donne vraiment un charme au jeu qu'on n'a qu'avec la VF. Le jeu a énormément de qualité et la VO ou les versions anglaises sont très bien aussi. Mais il y a vraiment ce côté cheesy, un peu années 90 dans la VF. Qui moi m'avait tout de suite marqué et j'avais vraiment l'impression d'être dans un truc sérieux mais qui se prenait pas au sérieux en fait. Et pour rebondir juste sur ce qu'il vient de dire, effectivement, cette VF ou cette voix, on avait vraiment l'impression d'entendre une voix d'un acteur qu'on connaît des années 90 dans un film d'action du type de Schwarzenegger, dans C'était Rambo. Predator ou de voilà de Rambo ou de même voilà d'un Bruce Willis, mais on avait vraiment cette voix qu'on pouvait reconnaître d'un film d'action des années 90 passé à la télé, quoi.
Il y a, je vous invite à vous et les auditeurs à aller consulter la page française de Metal Gear Solid sur Wikipédia parce qu'il y a quelques informations sur le doublage, et notamment que bah, en fait la direction suivait les ordres du Japon et que le ton bah, très Rambo justement de Snake a été un peu imposé. Les gens ont dit non non c'est très bien comme ça. Et, ah bon d'accord. Et du coup en fait par la suite j'ai l'impression qu'ils se sont un peu adaptés à ce truc-là. Il y a plein de petites anecdotes à hein, aller voir, mais effectivement moi j'ai pour l'époque. Je la trouvais géniale, en fait, parce pour la simple et bonne raison que il n'y avait pas énormément de jeux doublés en français, en fait. Donc pour moi, c'était un signe forcément qualitatif, tu vois, que quelqu'un ait daigné offrir un jeu une VF, quoi. Évidemment, aujourd'hui, je l'entends, je rigole. Encore qu'il y a des moments que je trouve très réussis dans l'interprétation de certains persos. Hein. Ils ont tous des tares et des moments de gloire. Otacon, ça va du risible au super émouvant. Donc il y a plein de petits moments. Bah, on va reparler forcément de tout à l'heure de nos personnages préférés, mais les moments avec les boss, soit c'est super cheesy, soit bah, psychomantis. Tu dis quand même, le mec, il a fait du boulot derrière, quoi. Et c'est Johan qui va enchaîner. Alors moi j'avais commencé le mode infiltration avant même de commencer le jeu pour le coup. Ah J'avais ouais. beau avoir Ah acheté le jeu en plein après-midi, j'avais pas eu l'occasion d'y jouer parce qu'à l'époque mon temps de jeu était très découpé par mes parents, c'était un planning à proprement parler. Et j'avais le droit de jouer je crois le dimanche matin à cette époque et je m'étais levé beaucoup plus tôt que prévu en fait pour pouvoir commencer le jeu. En ayant le son pas très élevé pour pas que ça se grille trop dans la maison à l'époque. Et je savais qu'il y avait effectivement cette histoire de briefing avant de commencer le jeu. J'ai aussi subi cette espèce de retard de démarrage où tu commences à regarder un type dans une cellule qui est en train de discuter avec un mec que tu vois pas vraiment. C'est encore une fois le dessin de Shinkawa, donc c'est pas très précis en fait dans les traits, ce genre de choses. Et de mémoire, c'était entrecoupé de scènes d'archives. Qui parlait du contexte nucléaire, qui parlait de ce genre de choses, un truc qui parle pas à un gamin de 9-10 ans, à proprement parler, mais qui en même temps était en train de déployer une espèce de fascination de mon côté. Je parlais du côté très militariste qui m'avait amené à MGS, notamment sur le point de vue graphique, je le retrouvais déjà dans cette séquence. Et en fait, mes attentes ont explosé à partir du moment où je me suis rendu compte que le jeu était à ce point sérieux, avec une espèce de truc de... Il y a un lien au réel qui se fait derrière, et en fait, ce jeu, il va être peut-être encore un peu plus intelligent que ce que je pensais aussi, et je vais y prendre des trucs, et je trouvais ça cool déjà. Et après, il y a eu les débuts avec toute cette phase d'entrée sous-marine. Encore une fois, on parlait des voix. Les voix m'ont scotché au début. Alors, c'est surjoué, mais dans l'esprit d'un gamin de 10 ans, ce surjeu en fait fait que tu es encore une fois dans un univers qui est très sérieux et qui te prend pas pour un gamin. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je me suis dit des années plus tard. Mais je pense que j'avais vraiment cette impression d'être un petit adulte qui était en train de jouer à un jeu d'adulte, alors que j'étais beaucoup trop jeune pour ça. Ça a été ma première fascination, je pense, sur MGS, avant même le début du jeu et de commencer à essayer les mécaniques de jeu, ce genre de choses. Ben cela dit, je pense que cette saga, elle a appris pas mal de choses. C'est un peu la géopolitique pour les nuls et pour les têtes blondes, mais du coup, je pense que ça a appris pas mal de choses, quoi. Ah, mais il Moi, y aurait eu Wikipédia à l'époque, je pense que j'y passais des jours, en réalité. Si je peux, j'aimerais. Ouais, sur l'aspect, on a un enfant et on joue à un jeu qui est d'adulte en fait pour la première fois. Je me souviens quand j'ai essayé la démo, ce qui m'avait énormément choqué, ce soit que le seul objet qu'on ait au début, ça soit un paquet de cigarettes, et j'avais l'impression de jouer à un jeu interdit littéralement. Je me souviens que le début était pas laborieux mais un peu étrange parce que j'avais un peu l'impression de jouer à cache-cache, bah littéralement, mais que ça s'arrêtait là. Et en fait, bah, c'est une impression qui a très vite sauté pour me rendre compte. Bah, en fait, le premier niveau, donc quand tu arrives dans la neige à l'extérieur de la base de Shadow Moses, en fait, il est très bon pour te rendre compte des possibilités du gameplay, en fait. Et tu te dis, ah ok, je peux entrer dans ce camion, je peux me mettre là, je peux me mettre là, ah je peux ramper. Et quand tu finis par rentrer dans la base après avoir exploré tout le long et forcément t'es fait choper 3-4 fois pour tester l'IA, en fait, tu dis, ok, bon, bah c'est bon, bah, je demande à en voir plus. Et c'est là que le jeu ne fait que débuter, quoi. J'avais vraiment été emballé à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a plu de manière générale, que ce soit au début ou en général dans le jeu, Audrey? En général, dans le jeu, bah, je dirais
pour moi, il y avait quand même la jouabilité, en fait, je me suis amusée. Je me suis amusée voilà, comme pour rebondir un peu sur le truc, c'est à jouer à cache-cache, mais aussi à jouer avec tous les objets qu'on peut avoir, les différentes grenades avec les grenades anti-caméra, enfin, il y avait différents types de grenades qu'il fallait. Alors, au début, c'était pas facile parce qu'il fallait comprendre à quoi ça servait, comment on pouvait s'en servir, que c'était limité, comment arriver, est-ce qu'on tuait pas les élus, on pouvait quand même les étrangler. Donc, du coup, il y avait un jeu. Puis, il y avait aussi le son qui jouait justement dans la neige, on faisait des traces de pas, donc on pouvait être repéré. Moi, je me rappelle, il y avait quand même une montée de stress avec le chronomètre quand on se faisait repérer. Oh putain, faut que je me casse. Enfin voilà, donc c'était. Moi je trouve que du coup c'était un peu amusant cette jouabilité, c'était vraiment nouveau et en même temps ça peut être un peu stressant dans tout. Et puis ça c'était évolutif aussi. La difficulté évoluait et le jeu était un peu plus grand sur les niveaux. Et puis il y avait tout un scénario qui commençait à vraiment se développer, qui était beaucoup plus politique. Plus poussé, plus intéressant, plus intelligent, donc on avait l'impression de devenir peut-être un peu plus intelligent en jouant de notre jeune âge. Mais toute la jouabilité pour moi c'était vraiment une nouveauté. Tu m'étonnes. Je me souviens qu'à chaque fois que tu décroches une arme, t'avais, au moment de l'essayer, tu avais une petite seconde d'appréhension pour savoir ce que ça allait faire, parce qu'en fait, selon les armes, tu as un gameplay différent. Quand tu as. Tu n'utilises pas forcément la vue à la première personne au début du jeu, puis forcément quand tu as le fusil sniper ou plus tard le missile stinger, combien de fois je me suis fait exploser moi-même parce que j'avais tiré contre un mur qui était à 2 mètres, quoi, tu vois. Donc je me souviens vachement bien de ça aussi. J'y vais. Moi, même si le gameplay du jeu m'a toujours plu, vraiment, moi, j'ai tout de suite accroché en fait au personnage et au scénario. Sans forcément saisir à la première au premier jeu toute la complexité géopolitique et tous les thèmes en fait de l'œuvre, mais juste le personnage de Snake, le personnage de Meryl, la relation qu'ils ont tous les deux et surtout en fait les personnages de méchants. Et sur toute la saga Metal Gear, je pense que mon personnage préféré c'est Revolver Ocelot, et dès le début j'ai adoré ce méchant parce que je comprenais pas en fait. J'infiltre une base en Alaska et je me retrouve contre un cow-boy en fait. Tu vois, il y avait ce décalage avec, c'est le premier boss, il arrive comme ça, juste derrière t'as un ninja robot qui débarque. Les personnages en fait, ils ont tellement d'attributs qui s'accumulent les uns sur les autres que ça en fait même plus des clichés de clichés, mais ça fonctionne parce qu'à chaque fois le jeu, notamment je pense à Sniper Wolf ou à Otacon, va te rajouter un petit peu d'histoire et de scénario pour que tu te rendes compte que les personnages sont beaucoup plus complexes que ça, qui te racontent beaucoup, beaucoup plus de choses. Et moi, c'est vraiment les personnages qui m'ont fait tenir, parce que je trouve, et même encore maintenant sur les derniers, je trouve que globalement, les Metal Gear, c'est jamais des jeux sur lesquels j'ai un réel plaisir à jouer si je prends le gameplay pur, en fait. Je vais jamais à un Metal Gear pour le gameplay, en fait. Même le dernier. J'y vais pour le scénario et pour les personnages. Même le 5. Ouais. D'accord. Parce que pour moi, c'était tout l'inverse. Le 5, c'était le gameplay qui me faisait rester, quoi. Mais ok. Guillaume ? Moi, du coup, c'est l'inverse de JB. C'est vraiment le gameplay, du coup, qui me fait rester. Parce que j'ai jamais aimé les jeux où, en fait, où fallait tuer des gens. J'ai jamais vraiment aimé ça. Et, enfin, sans but, j'entends. Et là, du coup, on nous dit qu'il faut pas tuer, justement. Et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup attiré et beaucoup plu. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'on ait l'obligation d'être calme derrière sa manette, de regarder, d'observer, mais pas d'observer comme par exemple un jeu de plateforme, si on compare à ceux de la PlayStation 1 comme Crash Bandicoot par exemple, où il faut juste attendre qu'une plateforme apparaisse ou disparaisse. Là, il fallait mémoriser l'emplacement des différents gardes, leur parcours, puis regarder leur radar en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus, et en prenant en compte plein d'éléments, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et après, bien sûr, au-delà du gameplay, c'est l'histoire. Quand on comprend que les cinématiques, elles sont pas juste là pour nous empêcher de jouer, mais qu'elles racontent vraiment quelque chose, et dès le début, et qu'en plus c'est de manière ultra cinématographique, ça c'est ce qui m'avait le plus impressionné. C'était des mouvements de caméra sur PlayStation que je pense j'avais jamais vu avant. Johan, je pense que sur mon premier run j'ai aussi beaucoup ressenti cet effet de gameplay et cet effet de cache-cache dont tu parlais.
Moi, j'avais fait pas mal de jeux de stratégie, enfin ce qu'on appelle le RPG Tactics notamment, et le Radar Solitaire me faisait beaucoup penser à ça. Du coup, je me disais que le jeu allait être assez simple, assez vite, et quand tu parles de cette espèce de, entre guillemets, bac à sable dans lequel tu arrives après avoir pris le premier ascenseur, j'arrêtais pas de me faire piéger en fait par le jeu à un moment ou à un autre. Oui, je maîtrisais mon radar, mais quand je me déplaçais dans la neige, il y avait mes pas qui finissaient par me trahir. Ou cette espèce d'effet un petit très simple mais complètement inattendu de voir Snake tousser à partir d'un certain moment, ou ces espèces de petites séquences inattendues en fait qui arrivaient dans le jeu et qui créaient à chaque fois quelque chose de différent. Première fois que j'ai dégoupillé ma stun grenade, que je la lance et où je fais une espèce d'éclair et où je me rends compte que toute la base passe en alerte. Il y avait toujours cette espèce de petit truc qui, au-delà du radar, venait me trahir. Et en fait, j'aimais bien ça. Ça m'obligeait un petit peu à réfléchir aussi la façon dont j'approchais le moindre problème. Et c'est un vrai challenge, en fait, au fur et à mesure. Et puis, dans le deuxième temps, ouais, il y a eu aussi ce rapport. Alors, on ne comprend pas la géopolitique parce qu'on est trop jeune à l'époque ou ce genre de choses. Mais les personnages ont quelque chose de très mythologique quand tu les rencontres. Encore une fois, Revolver Slot, c'est le cowboy. Vulcan Raven, ça va être le chaman. Tu as un ninja au milieu de tout ça. Tu as un mecha, tu as le geek qui a créé le mecha derrière. Ça faisait déjà un petit peu partie de mon environnement et c'était des codes que je maîtrisais déjà d'autres choses. Alors, pas un ninja cybernétique, bien sûr. Pas un chaman de 100 kilos qui porte une mitrailleuse qui est destinée à un hélicoptère. Il y avait à chaque fois une espèce de petite pique comme ça, un truc hyper cool derrière le personnage qui faisait que. Ouais, ok, non, mais vas-y, moi je fonce, tu me donnes des personnages comme ça, vas-y, je te suis, il n'y a pas de problème. Tu m'étonnes. D'autant que moi, je me retrouve dans plein de choses que vous venez de dire, mais notamment un que tu as évoqué un peu plus tôt, Johan, qui était bah, le caractère design, en fait, c'est les Ouais. artworks préparatoires qui, bah, qui sont Tellement classe. toujours. S'il y a un truc qui a pas vieilli du jeu, bah, c'est les trucs qui sont dans la notice, j'imagine, à savoir tout ce qui est artworks, les pochettes, quoi, où tu sens vraiment qu'il y a une patte et les polygones qu'on a dans le jeu pour incarner les personnages peuvent te paraître un peu fades comparé à au charisme qui se dégage d'un Snake avec la fumée qui l'exhale de sa bouche, tu vois, que tu vois dans le dessin. Et du coup, le prolongement de ça, c'est le codec, parce qu'on voit les portraits et les interactions, entre guillemets, la synchro labiale, c'est beaucoup dire, mais on voit les gens interagir entre eux. Et moi, je sais que j'ai passé un temps fou sur le codec à appeler et rappeler chacune des personnes pour voir en fait ce qu'ils pouvaient me dire. Et je compare ça au bouquin qu'on peut ouvrir dans des bibliothèques, dans des RPG, où tu te dis, ah, tu peux les bouquiner, voire longtemps. Et sauf que là, ils avaient enregistré des lignes de dialogue. Et en fait, ils te parlaient de leur vie et ils te parlaient de plein de trucs complètement hors sujet pendant Dehors de la mission. que Snake était en train de tenir en équilibre dans un précipice et tenait une conversation normale. Et en fait, j'ai rincé tous ces trucs-là. Et en fait, je sais que dès que je sortais d'un tableau, en fait, le premier réflexe était de rappeler tout le monde, en fait. Pour voir en fait s'il n'y avait pas de nouveaux trucs à connaître dans le lore quoi. Vos persos favoris? Alors un chacun, on va faire court. Audrey. Bah moi je vais pas enfin c'est pas c'est très simple, c'est Solid Snake parce que c'est quand même le héros charismatique mais qui est pas enfin qui fait pas tout beau quoi. Donc puis c'est personnage avec premier que j'ai vu, premier que j'ai rencontré voilà avec cette VF, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir mon Rambo futuriste avec lui quoi. Johan. Et puis, Ah pardon, vas-y continue aussi. non, mais t'inquiète, mais c'était plus pour dire que voilà, pour moi, c'est un personnage hyper évolutif aussi, qui évolue dans un univers, et que on voit bien que sa psychologie a changé un petit peu. Enfin, tout le personnage est vraiment très intéressant. C'est pas juste le personnage principal d'un jeu vidéo, quoi. À toi, Johan. C'est une question compliquée. C'est une question très Ouais. compliquée sur MGS. Je dirais probablement. Alors, Solid Snake est beaucoup plus développé, mais j'avais une fascination pour Liquid et sa façon d'affronter le destin. Sur le fait qu'ils se sentent à ce point inférieurs, qu'on l'ait convaincu qu'ils soient inférieurs, en fait, par ces histoires de gènes, etc. Et qu'il ait cette espèce de.
Je sais pas si j'appelais ça du courage ou si j'appelais ça autrement à l'époque, mais en fait, il se rebellait contre ça et d'une certaine manière, je trouvais que c'était un personnage qui était peut-être pas si mauvais dans le fond parce que j'arrivais à comprendre ce qu'il ressentait ou parce que j'arrivais à me dire, ok, non, mais ce mec est pas juste un enfoiré fini, en fait, il y a un ensemble de trucs derrière. Et j'avais une fascination pour le personnage de Liquid, qui était certes pas aussi développé que Solid Snake, du coup, et puis en plus il y a le lien entre les deux qui fait que, mais j'avais une fascination pour lui, ouais. Je pense que c'est le premier qui m'est vraiment fasciné après Solid Snake. Quand je suis arrivé à la fin du Je jeu, où comprends il y a très toutes ces bien. espèces de dialogues, mais pas avant, bien sûr. Bah, je comprends trop bien parce que, en fait, mine de rien, c'est là que le côté hollywoodien est contrebalancé par les trucs jap parce que là, sa relation avec Solid Snake, c'est trop shonen, quoi. En fait, il veut être reconnu pour ce qu'il Exact. est et donc il va C'est pas le résultat de arrêter de faire service. chier le sa némésis pour être reconnu, quoi. Ouais, j'avais pas fait ce lien au shonen, tu vois. Et Eh maintenant bah que tu dis, si. ça éclaire pas mal de trucs. Bah c'est Jap, hein. JB à toi. Ouais, de ouf. Bah moi c'est Revolver Ocelot, Ouais, mais tu m'as dit ça. pour plein de trucs, que ça soit pour bah c'est le premier boss que t'affrontes, toute la séquence de la torture, elle est géniale. Et c'est surtout en fait pour moi ce qui m'a le plus marqué dans tout MGS1, c'est les trois dernières lignes de dialogue à la fin du générique. Où on est d'accord qu'on peut complètement spoiler. Oui, bien sûr, oui, Mmh. il y a quoi? Il y a 21 ans de prescription. voilà, quand à la toute fin, on entend Revolver Ocelot qui est au téléphone, on sait pas avec qui, et qui dit oui, c'est bon. L'exercice s'est passé comme prévu, j'ai récupéré les données, merci monsieur le président. Mais moi, mon cerveau, il a implosé à ce moment-là, quoi. Surtout que c'est suivi d'un jingle à Ah ouais, James mais. Bond. Et ouais, j'ai tout de suite adoré ce personnage-là et tout ce qu'il est, tout ce qu'il raconte tout au long de tous les Metal Gear, en fait, à chaque fois, je trouve que c'est lui, il est limite plus important, si on prend la trame globale de la saga Metal Gear, il est plus important que Big Boss, en fait. Là, tu vois que Parce Kojima, il qu'il a une était grosse là à affection pour plus lui. d'impact. tous les moments, il a été agent double, agent triple, agent quadruple à certains moments de sa vie, quoi. C'est lui, en fait, qui était là au début, c'est lui qui est là à la fin, c'est l'antagoniste principal, en fait. Même si tu as des épisodes où c'est ton allié ou quoi, au final. Et puis voilà, l'épisode 4, la manière qu'il a en plus de fusionner plus ou moins avec Liquid et pour ce que ça raconte, ce combat final de l'épisode 4 a achevé mon amour total pour Revolver Ocelot. C'était tellement too much, mais tellement bien ce combat final. Mais tout Metal Gear, tout était tellement too much que c'en est trop bien. Il n'y a jamais de demi-mesure dans Pas de Metal Gear Solid. limite. Les curseurs, ils sont tout le temps poussés à fond, quoi. Guillaume, ton perso? Alors, bah, c'est compliqué de passer après JV parce qu'il a dit tout ce que je voulais dire. Mais ouais, bah, c'est Revolver Oslo aussi. Bah, je ne vais pas répéter ce qu'a dit JB, mais je rajouterais juste la démesure du personnage que quand on l'affronte en tant que boss dans le premier, donc c'est autour du président Baker qui est enchaîné au milieu de tous ces explosifs et tout ça. Et cette scène-là marque parce que on est dans un environnement tout fermé et encore une fois, c'est un combat de boss où on joue pas à cache-cache, mais on joue à trappe-trappe. Enfin, on est presque ridicule en fait. Et ça m'a beaucoup beaucoup marqué et ouais c'est ce perso il est exceptionnel et en plus il dénote vachement bah JB l'a encore dit mais il dénote vachement dans l'univers Metal Gear Solid en plus quoi c'est que ça soit dans son design dans sa façon d'être dans son côté sadique poussé à l'extrême etc. c'est vraiment le personnage le plus marquant du premier jeu et de toute la saga à mon avis. Bon, moi c'est Snake pour toutes les raisons évoquées par Audrey. Après, avec une petite mention pour Psychomantis, mais encore une fois, plus pour le La gameplay, surprise. le petit truc avec les cartes mémoire, tu vois, le truc qui fait bien waouh quand tu le lis dans un magazine de jeux vidéo, parce qu'évidemment, tu le fais pas toi-même, ça, sinon. Et j'enchaîne avec vos moments favoris. Et je vais commencer. C'est le duel contre Sniper Wolf. Parce que c'était une dinguerie de gameplay, chargé d'émotions.
et que à la toute fin, j'étais pas bien quand je l'ai abattu en fait. Je crois que j'ai jamais j'ai eu des gros moments d'émotion, notamment dans les Final Fantasy ou des trucs comme ça, mais ce truc-là me paraissait tellement réel de par la charge réaliste, même si effectivement il y avait plein une mythologie, un décorum qui allait dans tous les sens et qui était tout moche. Ce truc-là, fait son histoire personnelle, où en fait elle sait qu'elle en a plus pour longtemps, donc elle se confie. En plus, il y a Otakon qui débarque parce qu'il est amoureux d'elle, etc. Tu fais, oh putain, comment j'ai plombé l'ambiance et j'aurais pas voulu, je voulais pas. Et bon, j'étais obligé. Je pense que très clairement, ce moment, Kojima, il a dit, non, on va faire ressentir aux joueurs qu'il a merdé. Et très clairement, moi, j'ai sauvegardé, puis j'arrête là, c'est bon. JB. C'est un des twists du jeu, quoi. C'est au moment où t'as récupéré les clés de sécurité, tu les as mis dans le froid, dans le chaud, t'arrives et tu penses que tu vas désarmer la base et désarmer Metal Gear, et en fait le moment où la personne que tu crois être Master Miller enlève ses lunettes et te révèle qu'en fait c'est Liquid et qu'il t'a manipulé depuis le début, et que tu viens d'armer Metal Gear, c'est pareil. Gamin, c'est la première fois que j'avais ça dans un jeu vidéo, quoi. Parce que j'avais déjà joué à des jeux où t'avais des personnages qui te faisaient croire dans des RPG, t'avais des méchants, t'avais des gens qui te manipulaient, mais que ça soit aussi bien intégré en termes de gameplay, en termes d'ambiance, et que t'as vraiment le sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose et d'avoir sauvé la situation, et au final c'est toi qui provoque tout, quoi. Et ce moment, en plus t'avais très, très peu d'animation dans les codecs. En général, t'avais vraiment juste un peu de synchro labial ou des têtes qui bougeaient un petit peu. Et là, t'as vraiment les lunettes qui s'enlèvent et les cheveux qui retombent, et directement c'est Liquid. J'adore ce moment. Et puis après, t'es là, t'es bloqué dans la salle. C'est Otakon qui arrive à te libérer. Et ce moment-là, pareil, quoi. C'est en termes de jeu, je m'en souviendrai toujours. Grand moment. Audrey. Le meilleur moment, le fait de se cacher dans un carton, tu vois. Voilà, c'est un peu nouveau. C'est génial. Mais après, sinon, plus sérieusement, ça va être pareil, ce combat contre beaucoup de snacks. Il y avait. Déjà, c'était une grande révélation. C'était prenant. Et puis, il me semblait que je crois qu'il y avait plus d'armes. Sur cette phase-là, je me souviens. Donc, c'était vraiment un combat de détermination, quoi. Ça, c'était plutôt le moment le plus marquant du jeu. Le meilleur moment, en tout cas, pour moi. Johan ? Moi, je vais rejoindre JB. En fait, c'est deux séquences très proches. C'est, dans un premier temps, tu as effectivement ce jeu de clés. La découverte de qui est véritablement Master Miller et que tu viens de faire ce que tu ne voulais pas faire depuis le début. Et le moment tout de suite après, où en fait, tu te retrouves dans la salle face à Metal Gear qui est activé cette fois, où tu prends l'ampleur aussi du truc qui est face à toi, toi avec ton petit missile Stinger sur l'épaule, et où tu te dis, ok, on m'a préparé tout le jeu en me disant que l'arme qui est en face de moi, c'est genre l'arme qui va tout démolir, on m'a expliqué de long en large et à quel point le nucléaire est dangereux, je viens de faire une boulette, il faut que je rattrape cette boulette. Et en même temps, t'as cette espèce de... Moi, j'avais ce côté, je suis hyper vulnérable parce que je suis une espèce de tout petit bonhomme au devant de l'écran, mais putain, j'ai pas le droit de perdre, en fait. Je suis obligé d'être dans une espèce de phase dans ma tête d'invincibilité complète. Ce truc-là, je vais le faire tomber, en fait. Je vais le démolir. Je vais en faire de la purée. D'une manière ou d'une autre, je vais le battre. Et j'ai eu une montée d'adrénaline comme j'en ai rarement eu sur ce passage. Déjà, parce que je le disais, c'est un mecha, et j'avais une fascination pour les mechas qui était folle furieuse, et là, parce que, ça y est, c'est officiel, c'est plus à affronter un mec avec une arme ou avec un pouvoir, t'es en train d'affronter le destructeur de monde, entre guillemets, le truc qui va plier l'échelle globale. Là, tu fais, ouais, ok, j'ai pas le droit de perdre, c'est parti, j'y vais. Et je me suis fait latter, hein, comme tout le monde, mais je me sentais invincible à ce moment-là. Mais c'était ouf comme sentiment. Tu m'étonnes. Guillaume ? Alors moi, mon moment préféré, ça va être le passage où on rencontre Otakon et Cyborg pour la première fois. Parce que déjà, si je me rappelle bien, avant d'arriver dans le couloir, c'est la première fois qu'on utilise le missile téléguidé pour désactiver le panneau électrique. Donc déjà, ça marque cette arme qui est loufoque un petit peu. Et ensuite, on arrive... C'était aussi tôt que ça. Comment ? Ouais.
Ouais, c'est juste avant C'était la aussi chaîne. tôt que ça, je Avant me la souviens. chaîne. Ouais, il me semble. Peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble que c'est dans cet ordre-là. Et Ça après, va on... être creepy, c'est juste avant. Et après, on y a donc, on arrive près d'une porte et il y a un effet de caméra bizarre. Je crois que c'est la première fois aussi où il y a ça dans le jeu. En fait, on entend des bruits qui se passent à l'extérieur. Et donc, on arrive, il y a ce couloir avec les soldats ensanglantés. On arrive dans la pièce de, bah, dans le labo d'Otacon, en fait, où il est menacé par ce ninja cyborg incroyable. Et là, il y a le combat. Je sais que c'est peut-être pas le plus marquant en termes de gameplay, mais c'est mon préféré, en termes de jouabilité. Ce combat contre le ninja cyborg justement dans le labo et qui montre justement que l'univers Metal Gear en fait il n'a pas de limite dans le côté too much qu'il peut évoquer. Genre on a un ninja qui arrive qui en plus est-ce qu'il a oui il doit être invisible à ce moment-là déjà donc ça amène plein de nouvelles technologies, plein de nouveaux trucs, donc c'est vraiment trop cool. Et puis du coup ça se mêle avec un autre passage plus loin dans le jeu à la fin, donc bah, qui succède celui dont vous avez déjà parlé, où c'est bah, l'arrivée de Gray Fox face au Metal Gear pour sauver Snake une première fois et désactiver le radar. Et ça, c'est enfin, c'est un ninja cyborg contre un méca géant, donc c'est juste parfait, quoi. Bah moi je l'ai dit, c'est dessiné par Wolf. Est-ce que vous il y a un truc négatif à dire, une ombre au tableau, pas forcément rétrospectivement, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait un truc qui vous déplaisait? Bah, il y a un moment, Guillaume, vas-y. pardon, Guillaume, vas-y. ouais, il y a un moment qui est pénible, mais je sais pas si on est obligé de l'avoir ou pas. C'est justement quand on fait les allers-retours pour avoir la carte neutre, chaude et froide. C'est un moment, elle tombe et il y a un rat, je crois, qui la mange et il faut la récupérer en Ça redescendant. revient, ça Ça, revient. pour le coup, c'est ultra frustrant. J'avais oublié ça. J'y vais. Non, j'ai pas de. À part effectivement le coup du rat où tu dois. Parce qu'en fait, la séquence où tu montes Metal Gear avant qu'il soit activé, elle est pas très intéressante. Et quand tu dois redescendre pour récupérer la carte et tout, c'est vrai que c'est un peu long. Mais sinon, je trouve que le jeu, il est globalement bien rythmé. Quand j'étais gamin, je trouvais qu'à un moment, il y avait des fois certaines séances de codec, on va dire, qui étaient un peu longues. Mais notamment. Toutes celles autour de Gray Fox et de Natacha, mais en fait, quand tu le refais adulte, c'est hyper intéressant. C'est le lore de la série qui est là, quoi. Audrey? Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs ou de mauvais moments. Voilà, comme pareil, ce que j'ai déjà dit, ça reste. Je trouvais juste que le jeu était peut-être au début pas forcément facile. Enfin, pas si accessible que ça, mais voilà, il fallait tout simplement être téméraire et continuer et voir qu'on pouvait très très bien apprécier ce jeu. Johan? Alors moi j'aimais pas me battre contre autre chose que des boss dans ce jeu. T'avais des séquences de combat en vrai, t'avais cette espèce de séquence quand tu descends ou quand tu montes la tour, je sais plus, qui est extrêmement longue dans mes souvenirs. Le moment où t'es dans l'ascenseur, que tu descends vers le hangar de Metal Gear, ou pareil, t'as des mecs qui apparaissent à longueur de temps. En fait, c'est les rares moments dans le jeu où je décrochais en mode, bah oui, non, mais en fait, je sais que vous savez que je suis présent, mais que vous m'envoyez des armées et que je peux les gérer, mais si je peux les gérer, en fait, pourquoi je continue à faire de l'infiltration? Bon, après, je l'ai tenté à certaines reprises en plein milieu du jeu et les combats, je les gagnais pas. Mais il y avait ça qui me saoulait. Ah, je détestais les clés morts. Je détestais les clés morts et ces saloperies de lignes qu'il fallait esquiver sous peine de déclencher l'explosion de la base ou je sais plus quoi parce que j'avais pas les lunettes thermiques et que je devais regarder ça avec la fumée de cigarette et ça me prenait la tête à chaque fois. C'est les deux seuls passages vraiment qui m'ont un peu saoulé dans le jeu. Et en vrai, encore une fois, c'est ce que disait JB rétrospectivement, en tant qu'adulte, ces séquences-là, elles sont cool. Parce qu'elles te font, elles t'obligent aussi à réfléchir au-delà un petit peu du truc de base, etc. Et du coup, tu viens de répondre en partie à la question, mais garde la parole. Vous jouiez comment? C'était quoi? Vous la jouiez fufu à fond? Ou est-ce que vous étiez du genre à me dire, non, là je me suis fait repérer, je reset et je recommence la mission? Ou Balek, je vais tout droit et tant pis si je mets une alarme? Alors non, moi j'ai joué très vite fufu à fond. Au tout début, sur le tout début de mon run, au moment où je commençais à tester un petit peu le jeu, je me disais que les phases de cache-cache c'était ce qui m'amusait le plus et je m'étais interdit de tuer dans un premier temps. Puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je ne sais plus pour quelle raison, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à le faire et j'ai très vite recommencé le jeu. Quelques semaines plus tard, en mode je vais essayer de tuer vraiment au minimum. J'ai dû me le permettre une fois ou deux, ce que je me suis pas permis des années plus tard.
Mais à l'époque, je m'étais collé des défis au fur et à mesure de ma progression dans le jeu et de ma compréhension du jeu. Et ouais, très vite, Fufu. En fait, le jeu t'invite tellement à ça. Aussi, t'as tellement de moyens en fait de détourner l'attention, aussi de le gérer. Encore une fois, ça te challenge un peu mentalement. Et tu trouves des trucs. JB. J'ai plus vraiment le souvenir de la première fois que je l'ai fait, parce que je l'ai fait on l'a fait à quatre mains en fait, parce que j'ai joué aussi avec mon cousin, donc on se passait un peu la manette, on faisait un niveau chacun notre tour. Mais maintenant, quand je dois faire un MGS, infiltration totale, j'essaye d'éliminer le moins mes adversaires possible. Là, c'est sur MGS3, mais je suis même allé à pousser le vice jusqu'à MGS3, le faire sans tuer personne, pour juste avoir la séquence face au boss où t'es dans la rivière et où en fait t'as les fantômes de tous les gens que t'as tués qui viennent vers toi. T'en as Et je voulais pas. voir ce qui se passait si t'avais aucun fantôme qui venait vers toi. Donc, j'ai vraiment poussé ça à fond comme un idiot. Je le ferai plus maintenant parce que j'ai plus autant de temps à accorder à des détails, tu vois. Mais si je peux jouer full infiltration à Metal Gear, je le fais maintenant. Vrai. Moi, je l'ai beaucoup joué risqué. J'avoue que j'ai essayé de. J'ai pas fait complètement Fufu, justement, j'ai quand même essayé de faire un maximum de garde et tout, donc c'est pour ça que ça m'a valu des fois de recommencer les niveaux, parce que j'ai pas réussi à m'échapper pendant l'alerte. Donc moi, j'ai joué plutôt risqué. Et Guillaume? Ouais, full infiltration aussi, parce que bah, je pense que c'est comme ça que le jeu est censé être joué un peu. Et puis surtout, quand on se fait repérer, ce qui est kiffant, c'est de se cacher. Et parce que là, en fait, ce qui est stressant dans Metal Gear, c'est pas quand on se fait repérer, c'est quand on se fait repérer, puis qu'on se cache, et que là, ils sont en train de patrouiller pour nous trouver, où on se rend compte qu'en fait, le gameplay, il a été vachement poussé au maximum à ce niveau-là. Donc, du coup, je fais comme ça. Par contre, si je me. Par contre, après, j'ai refait chaque Metal Gear. En ne tuant personne, enfin c'est ce que je fais de base, mais sans me faire opérer non plus pour débloquer, qu'est-ce qu'on débloque, le camo, le bandana, etc. quoi. Moi, je jouais Fufu autant que faire se peut, mais bah, quand je me faisais griller, en fait, j'aimais bien, c'est parce que ça débloquait bah, une autre partie de gameplay, donc la débrouillardise que tu peux avoir pour planquer, ou s'il faut en passer par là pour tuer des gardes, ça, c'est un truc qui me plaisait. Donc, en fait, je sais qu'à partir du 2, j'étais beaucoup plus exigeant avec moi-même, mais pour celui-là, non, je l'ai pris à la mode hollywoodienne en me disant bon, si j'ai une trace de sang ou un truc du genre, c'est pas grave, de toute façon, il y a déjà eu l'alarme 14 fois sans que j'y sois pour quelque chose, donc c'est des branques, je vais avancer comme ça. Mais non, j'étais beaucoup plus en mode arcade là pour le coup. Est-ce que vous avez joué au remake qui s'est fait sur GameCube, The Twin Snake? Malheureusement, oui. Ah bon, à ce point-là? À ce point-là, Ah, l'idée? c'est. Ah, c'est. Bah, en fait, il pousse le côté too much tellement loin en termes de mise en scène que je trouve que ça perd vraiment de son charme. Et en termes de gameplay, le jeu est calqué sur le gameplay de MGS2, qui est, je trouve, celui qui a le plus mal vieilli, en fait. D'accord. Ce principe de tu peux passer en vue subjective, mais pour ça, faut pas que tu bouges. Et après, tu reviens en vue normale. Je trouve qu'il a un espèce de faux rythme en fait dans le jeu, où t'es jamais dans le mouvement en fait. C'est-à-dire que tu vas quelque part, tu t'arrêtes, tu regardes, hop, tu repars sur ton personnage et tu continues à avancer, quoi. Parce que moi, ce que j'en avais vu, bah, c'était quand même plus joli, donc forcément ça faisait envie. J'avais vu quelques séquences il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur YouTube, et c'est là que j'ai découvert l'aspect chorégraphié qu'ils avaient donné à pas mal de scènes d'action en fait, en Ouais. exagérant les choses, contre le ninja notamment. Et je me souviens de la scène contre Sniper Wolf où en gros ça se fait où il fait un salto arrière en atterrissant sur le sol. Il appuie avec son pied sur la mitrailleuse qu'il avait laissée tomber derrière lui, qui du coup saute et il rattrape en l'air et il tire en même temps que Sniper Wolf. Et tu fais, ah oui, là quand même, ça fait beaucoup quoi. Mais bon, ça avait l'air joli. Mais je ne savais pas que ça avait été aussi moyen comme partage. Bah après, il y a des gens qui l'aiment bien, hein, mais moi j'ai vraiment pas passé un bon moment en jouant à ce jeu-là, tu D'accord. Les autres, vous y avez pas joué, non? Non. Non, je l'ai même D'accord. fui, à vrai dire.
Pareil, j'avais vu quelques séquences, je sais plus de quelle manière, mais j'avais vu quelques séquences où les chorégraphies m'avaient laissé complètement de côté en mode ouais, ben, c'est bon, je vais passer à autre chose. Je vais rester sur mes vieux souvenirs. Bon, Ou je vais en faire l'heure. c'est le moment où je vais vous demander de parler de des autres jeux en fait. Quel est le jeu de la saga que vous préférez? Pourquoi? S'il y a un moment qui vous paraît important de partager, allez-y, Guillaume. Mon préféré, c'est Metal Gear Solid 3, parce qu'il a le meilleur moment de toute la saga, qui est le combat contre The Boss à la fin, je pense. Avec ce, enfin, je pense que tout le monde qui a joué à ce jeu pensera la même chose, genre ce moment, est-ce qu'on appuie ou est-ce qu'on n'appuie pas, en sachant qu'on n'a pas le choix, en fait, une fois que le combat est terminé. Juste, je t'interromps, juste le fait que t'en parles, j'ai des frissons. Ouais, J'ai la chair de poule, tu vois. Juste le fait que t'en parles, là. Et pourtant, le 3 est pas facile à jouer parce que il garde, enfin dans son édition d'origine, il garde cette caméra fixe qui heureusement après devient mobile dans la version subsistance. Et le 3, c'est cette chanson incroyable d'intro qui fait penser à un générique de James Bond. C'est Revolver Ocelot qui se fait apprendre la vie par Big Boss avec des séquences incroyables. C'est les Cobras, c'est tout. Enfin pour moi, Metal Gear Solid 3, je pense que c'est le plus grand jeu de tous les temps, en tout cas mon préféré. Donc il est indétrônable à ce niveau-là, et il n'a pas un moment creux. On change d'environnement, il y a plein de secrets qu'on découvre après, notamment sur les façons différentes façons de se débarrasser de Zien ou des choses comme ça. Enfin, c'est juste exceptionnel. Et je l'ai refait il n'y a pas longtemps aussi, dans la version qui était sortie sur PS3, du coup. Et ouais, il reste nickel, quoi. C'est vraiment, vraiment un très, très grand jeu. JB? Je n'ai rien d'autre à ajouter. D'accord, Audrey. Je vais rester aussi sur le 3. Je vais rester aussi sur le 3. Je ne peux pas rajouter grand-chose en fait après ce qui a été dit. Voilà. Johan? Ah ouais, alors objectivement, Metal Gear Solid 3 est le meilleur de la série. Je pense que c'est assez clair. En même temps, Mais toi, t'es un filou politicien et tu vas parler du 2, je te connais. ouais, grave. En même temps, moi, mon amour va sur d'autres opus qui sont le 2 et le tout dernier d'ailleurs. D'accord. Vas-y, on t'écoute, l'altermondialiste. Il y a eu un truc très fort en fait à la fin de. Je parlais du côté très militariste qui m'avait amené à MGS1. MGS1, au fur et à mesure, te fait perdre beaucoup ça. Jusque dans son générique final, en fait, et jusque dans les discussions finales de. Alors, à l'époque, c'était Snake et Meryl, dans le sens dans lequel je l'ai fait. Et ça te calme un petit peu sur le sujet. Et en même temps, ça te crée une espèce de légende sur Solid Snake qui est complètement dingue. Arriver sur le 2, retrouver le personnage de Snake, c'était un plaisir d'enfer. Me faire voler Snake à un tiers du jeu, c'était encore plus jouissif. Me retrouver avec un personnage qui maîtrisait moins l'univers que moi, qui pouvait voir en fait des liens entre les épisodes, etc., là où lui n'en voyait pas, jusqu'à cette espèce de moment final où, enfin, ce principe du dog tag où tu retrouves ton nom, tu retrouves ta date de naissance, tu retrouves tout ça, et tu te retrouves avec ce personnage qui le jette, qui se débarrasse de toi en tant que joueur. Wow, non mais c'est énorme, on peut parler de ça en jeu vidéo, on peut le montrer comme ça, c'est fou, c'est un principe de narration qui est complètement fêlé. Et en fait, c'est un des trucs qui m'a passionné au fur et à mesure de la narration dans Metal Gear, c'est que je me retrouvais jamais où je voulais être, et je me faisais toujours rouler dans la farine d'une manière ou d'une autre. Et c'est encore arrivé du coup dans le tout dernier, qui a l'effet exactement inverse de MGS2 en fait. Et qui fait que pour moi, Kojima est au-delà d'être un très grand nom du jeu vidéo et un narrateur hors pair et qui a utilisé un média qui est très difficile à utiliser, je pense, en narration, peut-être un des plus durs parce que c'est très exigeant le jeu vidéo, ça demande de maîtriser énormément d'aspects. MGS2 le tout dernier ont cette espèce de force de transcender un peu un média pour t'emmener vers des trucs qui te touchent personnellement d'une puissance complètement phénoménale. Et moi, MGS2, l'ayant refait plusieurs fois, je lui trouve énormément de défauts. Mais on dit souvent que c'est parce qu'un truc a énormément de défauts qu'on l'aime d'un amour infini. Et ben, c'est exactement ça.
Moi, je me souviens que pour MGS2, j'avais amené ma PlayStation 2 en avion au Portugal, rien que pour jouer à MGS2. Du coup, j'étais rincé là-bas. Et il m'a tenu que quelques jours. Hein. Mais à la fin du jeu, quand t'as Roy Campbell qui part dans ses délires et que tu te comprends en fait que c'est Kojima qui te parle, je crois que Tellement fort. j'y ai pas joué tout de suite. En plus, à MGS2, j'ai attendu 1 ou 2 ans après sa sortie. Et je crois que j'étais suffisamment mûr pour me dire, ok, je comprends ce que tu veux me dire. J'avais pas envie, mais je me laisse porter. Ok, c'est là que j'ai compris un peu que le mec derrière, Kojima, il avait quand même un truc à raconter. Et comme tu dis, c'était un sacré narrateur, quoi. Après, bon, bah, si je dois en choisir qu'un, bah, ce sera le 3 pour le moment dont vous avez parlé, Guillaume et JB. Je rajouterais que après le combat, bah, la cinématique de fin un peu longuette, tout ce qui se passe, les montagnes russes, bon, bah, t'as ton petit moment de chill avec Eva devant la cheminée. Ah, en fait, elle t'a entourloupé. Et en fait, bon, bah, je rajouterais qu'en fait, moi, j'avais adoré le 1 et le 2, mais que j'avais compris. Que j'avais pas compris en lançant le 3 que c'était Big Boss en fait le personnage qu'on jouait. C'est qu'après avoir joué au 3 que je me suis vraiment mis à fouiller dans le lore. Et évidemment, j'avais compris un peu avant ce qu'il en était, mais voir bah, la naissance de Big Boss. À ce moment-là, tu avais les Star Wars, la prélogie qui sortait, et tu pouvais pas t'empêcher de faire un parallèle pour dire, ben voilà, mais là, je comprends pourquoi le méchant, il est méchant, tu vois. Et ça se termine, elle était un vrai patriote, il fait son salut devant la tombe, et là, tu fais, oh putain, c'est pas possible. Et là, tu as Star Sailor qui balance sa chanson à Way to Fall. Oh, j'étais complètement effondré, quoi. C'est le moment où tu dois nous raconter ton petite anecdote, JB. T'as loupé un avion, donc. Ah oui, alors, donc à la fin de Metal Gear Solid 1, bah, le générique de fin est très très long. Et moi, donc j'étais chez mon cousin qui habite à Toulouse, sauf que je devais rentrer dans l'après-midi, je devais aller prendre un avion, et je devais rentrer, bah, du coup, l'avion allait à Paris, et puis après, mon père me récupère à l'aéroport et on rentrait chez nous. Sauf qu'en fait, j'étais sur la fin, il y avait les discussions entre Snake et Otacon, au moment où ils descendent, ils prennent le chasse-neige, voilà. Il y a toute cette discussion sur la vie et tout, qui est très bizarre pour finir un jeu vidéo, en fait, parce que t'es plus dans l'épique, en fait, t'as eu le combat contre Liquid, et puis t'arrives sur cette espèce de moment de grâce avec les deux personnages qui se disent un peu leur vérité avant de partir vers autre chose. Il y a ce générique, et en fait, j'avais lu. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des livres de Solus et des choses comme ça, que si on sauvegardait à la fin, quand on recommençait une partie, on avait le camouflage optique. Et du coup, je voulais absolument sauvegarder avant de rentrer, avant de prendre l'avion. Et j'ai tanné ma tante pour lui dire, non, attends, 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 jusqu'à la sauvegarde. Ou après, on a filé, elle m'a foutu dans la voiture, elle m'a emmené à l'aéroport, et je crois qu'on est arrivé à 2 minutes de la fin de l'embarquement, quoi. Mission accomplie. J'aurais aimé rater l'avion à cause de Metal Gear, mais même pas, tu vois. Ah, ça reste quand même une belle anecdote. Vu qu'on arrive à la fin, si vous en avez une, les autres, c'est votre moment. Ah, ok. Moi, j'en ai eu une avec ma copine de l'époque que j'avais réussi à mettre, enfin, j'avais réussi à mettre, qui m'avait vu jouer à MGS et qui s'intéressait à la saga. Et qui avait commencé avec MGS1, les a fait dans l'ordre, grosso modo. Et il y avait eu ce petit moment, cette grande séquence émotion sur Sniper Wolf à la fin du 1, où je l'avais rarement vu dans un état aussi frappé par un truc dans un jeu vidéo, etc. Et puis là, elle s'est mise à faire MGS3. Et ça n'arrêtait pas en fait. Je crois que je devais la ramasser à peu près tous les 2 ou 3 jours devant une séquence X ou Y de MGS3. Parce que un personnage était en train de se révéler et que c'était largement au-delà de ce qu'elle pouvait contenir. Et il y a ce moment où elle arrive devant The Boss et où elle fait toute la séquence avec The Boss. Et elle me regarde en mode, en fait, je crois que j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Et moi qui suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux me dire par là. Mais je crois qu'en fait, je viens juste de buter The Boss. Et en fait, il n'y a rien eu d'autre dans la séquence que j'ai pu retenir à part ça. Et je l'ai vraiment tenue dans mes bras pendant 6 heures, je crois. Toute l'après-midi, en mode, on essaie de la remettre là. Il va falloir qu'elle refasse la séquence avant d'aller se coucher parce qu'elle veut comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais elle était dans un état complètement catatonique à l'idée d'avoir fait cet acte,
littéralement, presque le principe de elle vient de tuer quelqu'un pour de vrai. Et son cerveau arrivait plus du tout à tilter en fait sur ce qui se passait dans le jeu. C'était assez impressionnant. Et pour moi qui suis habitué aux jeux vidéo, c'était presque pas possible. Parce qu'à un moment, tu as aussi ce recul de te dire c'est du gameplay, ça joue comme ça, ça va jouer sur tel moment dans ta tête, ça va jouer sur tel truc. Et elle, pour, c'était tellement naturel en fait d'avoir vécu ce moment comme une trahison extrême, comme un acte qu'elle est et plus que tout, et surtout sur un personnage qu'elle aimait d'un amour infini. Ça a été, je pense, vraiment une des séquences les plus fortes de ma vie sur un jeu vidéo, alors que je jouais pas en plus. C'était vraiment impressionnant. Mais c'est Metal Gear. Eh bien. Quelqu'un d'autre pour se renchérir? Parce que moi j'ai deux anecdotes, mais elles sont un con en hein, comparaison. C'est pas aussi fort, mais c'est mes premières larmes sur un jeu vidéo, MGS3. Mm. Et donc c'est, je me rappelle toujours de ma mère qui monte se coucher, me dit bonne nuit et qui me voit en larmes et qui pense qu'il y a un truc de grave. Alors oui, il y avait un truc de grave parce que bah, je venais de tuer The Boss quand même, mais sinon. Et sinon, non. Et sinon, sur un autre épisode de la saga. C'est comment dire, c'est être extrêmement frustré, mais ça c'est du coup sur une autre console, c'est de Portable Ops, le premier opus sur PSP, où en fait j'avais l'impression de me faire trahir quand on avait annoncé qu'en fait non, c'était pas un vrai jeu MGS, alors que j'avais économisé je sais pas combien de temps pour pouvoir me payer la console et le jeu, quoi. Et ça c'était très compliqué, surtout, enfin c'est pas le moment d'en parler, mais il y a un vrai problème avec ce jeu parce qu'en fait c'est avant MGS4, c'est lui qui donne la vérité sur les patriotes. Et du jour au lendemain, on nous dit qu'en fait, il compte pas. Et j'ai jamais compris ça et je l'ai vraiment très très mal vécu à l'époque. Je peux comprendre, mais j'avais eu l'info, donc j'avais arrêté ma partie pour dire, nah, c'est bon, je vais économiser du temps. que j'ai perdu quelques temps plus tard avec Peace Walker. Quoi? Quoi? Non, non, tu peux pas dire que t'as perdu du temps avec Peace Walker. Non, non, mais j'étais ravi de le perdre, si, disons. moi j'ai deux anecdotes autour de MGS5, donc une pour chaque partie. La première, c'est que quand Grand Zeroes est sorti, il y a eu une dédicace de Kojima organisée au MK2 Quai de Loire. J'habitais à deux pas à l'époque et j'avais été informé du truc en rentrant du boulot à pied, en voyant devant le cinéma, parce qu'en fait il était invité à la librairie du MK2 et il y aurait une projection de 2001 qu'il présenterait parce que bon bah forcément fan de film, il voulait le MK2 a voulu organiser un truc autour de lui en tant que créateur narratif et de faire les liens avec le jeu vidéo, etc. Et je me dis bah trop cool. En plus j'ai vu 3 fois 2001 et je me suis endormi à chaque fois, donc ce sera l'occasion de le voir dans des bonnes conditions. Et avant bah, j'irai à la dédicace qui avait eu lieu quelques heures plus tôt dans la librairie. J'arrive à la librairie les mains dans les poches 5 minutes avant que ça commence et je constate qu'il y a une file d'attente qui part à l'autre bout. Je me dis ah bon bah c'est pas grave hein, je vais m'asseoir dessus, je vais faire un tour à la librairie, je vais acheter une BD ou un truc du genre. J'entre, je constate que la queue est quand même assez intense aussi à l'intérieur, hein, que ça fait un petit serpentin, et je regarde autour de moi, je dis bon, bah, mon chemin pour aller au rayon BD, c'est de là-bas, et là je me fais alpaguer par quelqu'un du staff, une nana qui me dit, non mais c'est par là. Et je dis, bah, d'accord. Et en fait, je suis passé devant 200 personnes. Il y avait une espèce de sas de décompression. Et en fait, devant tout le monde, devant il devait y avoir une dizaine de personnes devant Kojima qui faisait la queue et tout le reste qui était à l'entrée. Et bah, je me suis retrouvé là être la 11e personne et j'ai été fusillé du regard par tous les autres. Et après, je leur lançais un regard pour me dire, mais désolé, mais j'ai pas voulu ça. Et bon, bah, finalement, je l'ai quand même fait. J'ai eu ma dédicace et j'ai serré la poigne de Kojima. Et j'ai vite filé parce que je voulais pas me faire assassiner. Je suis revenu le soir même pour la projo et je me suis encore endormi devant l'Odyssée de l'espace. Et la deuxième anecdote concerne Phantom Pain et elle est beaucoup plus douloureuse dans le sens où bah, c'était un MGS et je voulais le rincer, le faire bien, et je pense que j'y ai joué presque pendant un an, facilement 3-4 ans après sa sortie, parce que bah, c'était le moment où il y avait plein d'autres choses à faire que jouer. Et là je pense que j'ai joué un an, 5 minutes par jour, une mission par-ci par-là, quoi. Et tout ça s'est arrêté dramatiquement
dans le sens où je faisais la quête annexe pour retrouver les souvenirs de Paz. Et j'en étais au sixième ou septième, je sais plus. Je quitte la chambre où elle est en train de retrouver ses souvenirs, où elle est hospitalisée, et écran noir. Et donc j'ai jamais fini MGS5. Et je veux pas. En fait, je pourrais regarder un long play sur YouTube ou un truc du genre, mais je veux pas parce que ce serait pas moi qui le fais. Et donc ça me tue. J'ai essayé de désinstaller le jeu 3 fois, de passer par le cloud, sans succès. Je crois que je suis le seul Gus au monde qui a ce problème-là. Donc voilà, c'est un retour karmique après avoir passé devant 200 personnes. J'ai juste une ou deux questions rapides. Est-ce que vous avez joué à Death Stranding et qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est le cas. Je Guillaume, n'ai vas-y. pas joué. D'accord. Je suis rentré dedans très rapidement. Ensuite, je l'ai laissé tomber pendant 2 semaines parce qu'il m'avait un petit peu saoulé, un peu perdu. Et il a réussi à me raccrocher jusqu'à la fin. Et je ne l'ai pas fini à 100% parce que je crois qu'il y a juste un relais que je n'ai pas connecté avec toutes les étoiles parce qu'il est vraiment relou. Et qu'à ce moment-là, j'avais déjà fini le jeu, enfin l'histoire, j'entends, et que la fin m'avait vraiment bouleversé et apporté plein de choses. Et du coup, j'ai mis le temps avant de le finir, mais une fois que je l'ai fini, je ne l'ai plus retouché, mais j'en garde un très bon souvenir. Et j'écoute la BO régulièrement. Et puis là, bah, je me suis plongé dans l'artbook qui a été publié par Comics, qui est vraiment super, superbe, pardon. Donc, non, non, c'est un très bon jeu, Death Stranding, pardon. Les autres? Donc Audrey ne l'a pas fait, Johan JB, vous l'avez fait? Pas encore. C'est prévu donc. Oui, quand j'aurai le temps. Moi, je fais plus en fait les jeux vidéo au moment où ils sortent parce que en fait, j'en ai marre de l'industrie du jeu vidéo où les jeux ils ont une durée de vie de 8 jours avant d'être remplacés par un autre jeu et qu'on parle plus que de celui-là. Donc maintenant, je fais mes jeux 6 mois ou 1 an après qu'ils soient sortis. Joël? Bah, à vrai dire, je l'ai pas fait. Moi, ça fait un an que je vagabonde sans ma console. Je viens de me poser et pour la première fois de remettre les mains dessus il y a 2 jours. Et tu vois, je savais pas quoi faire et j'avais jamais pensé à Death Stranding, je sais pas pourquoi. Donc, je crois que là, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le PS Store une fois qu'on va finir. Mais ça pourrait être D'accord. un bon objectif pour mes prochaines semaines, ouais. Moi, ça va, je le mets dans la catégorie des jeux sacrifiés. Voilà, j'ai plus de temps, donc voilà. J'adorerais, hein, mais non, je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Mais pourtant, il y a des bébés dans le jeu, tout ça. Tu devrais t'y retrouver par rapport à ta vie actuelle. Justement, je crois que c'est pas le moment en fait, non plus pour ça. Et l'infiltration, est-ce que ça reste un genre que vous aimez, vous avez continué, ou est-ce que MGS c'est un peu la singularité, vous jouez qu'à ça, JB? Maintenant que tu en as parlé, effectivement, j'ai fait les Tenchu. J'ai fait un peu de Siphon Filter, de Splinter Cell, tout ça, tu vois. Mais ça a jamais été trop ma came, les jeux d'infiltration. Mais parce que voilà, moi, si j'ai le choix, je vais vers des RPG japonais. Je joue à Dragon Quest. Je fais du grind en tuant des gluants. Je level pendant 200 heures avant d'aller battre le boss final en une attaque. Ouais. Puis vu que les TPS FPS, c'est pas trop ma came non plus. Il y a vraiment que MGS. Mais parce que c'est l'histoire et les personnages qui me drive en fait et qui me donnent envie de jouer à ce jeu-là. Et donc, tu as joué à Metal Gear Rising et Survive? Alors, Ouais, Rising, j'ai kiffé. moi aussi. Mais parce que j'aime bien les beat'em all et effectivement, c'est débile ce que le jeu raconte par rapport à Raiden, par rapport à son arc dans MGS4 notamment. Mais le jeu est super fun, quoi. Ouais, En termes juste de jeu de baston, il est trop bien. puis il a le mérite de le faire affronter François Hollande, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, qui parle comme Donald Trump, hein? Il dit, I'm gonna make America great again. Les autres? Ouais, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, mais je trouve plus mon compte dedans. À l'époque, j'avais fait les Splinter Cell sur Xbox, la première, mais ça me plaisait moins parce qu'en fait l'infiltration était très poussée, mais j'aimais pas du tout l'univers qui était trop militariste à mon goût. Et sinon, les Assassin's Creed un peu. D'ailleurs, là, je suis en train de faire le 4 Black Flag dans l'univers de la piraterie que j'avais totalement raté à l'époque et qu'ils ont mis à 5 € sur le PS Store, donc je me fais un petit plaisir. Mais sinon, j'attends une nouvelle licence d'infiltration pure et dure, parce que même MGS5, au final, perd un petit peu le côté infiltration, je trouve, à cause d'une approche qui est un peu diversifiée, des livraisons d'équipements
et tout ça, mais sinon, bah, en fait, c'est pas mon genre préféré parce que c'est le RPG. En fait, comme JB, en fait, l'infiltration, c'est Metal Gear. C'est pas un, il n'y a pas un autre jeu qui arrive à maîtriser aussi bien le genre, je trouve. Audrey? Je sais pas si on peut mettre les Hitman dans l'infiltration. Si, C'est quand grave. même pas mal de missions assez difficiles. C'est le seul jeu, alors c'est pas comparable à Metal Gear évidemment, mais c'est le seul jeu que je dirais qui se rapprocherait à l'infiltration que j'ai joué, mais sinon ce n'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue aujourd'hui ou qui m'attire. Enfin, ça reste vraiment l'exception. D'accord. Joël? Moi, j'ai continué à en faire à droite à gauche sur différentes licences. Ben, on en parlait, les Splinter Cell, ce genre de choses. Mais en fait, l'infiltration a commencé à se greffer sur pas mal de jeux qui sont pas des jeux d'infiltration à la base. Enfin, je pense notamment au Deus Ex, au Dishonored, ce genre de licences qui Oui, clairement, ouais. ils te permettent en fait d'avoir une approche infiltration. Et qui est d'ailleurs assez poussée en réalité, qui t'oblige à bien penser, à bien réfléchir les niveaux, etc. Et que je trouve très intéressante. J'ai plus trouvé mon compte dans les jeux d'infiltration, dans ce genre de jeu finalement, que dans des choses pures et dures tournées vers ça. Mais aussi parce que t'as une polyvalence en fait dans le jeu derrière, et que je suis peut-être un petit peu moins catégorique qu'à l'époque où je voulais faire que du tactical, que de l'infiltration, etc. Ouais, je vois. Mais Ouais, au je final. suis assez d'accord avec toi, ne serait-ce que dans les Naughty Dog aussi, de plus en plus dans les Uncharted, bah, le dernier où c'est vraiment palpable parce qu'il y avait eu Ouais. Last of Us qui était passé par Il y là. avait Last of Us aussi. Voilà. Et du coup, bah sinon, ouais, moi, les Assassin's Creed que j'ai presque tous fait aussi, comme Guillaume. Splinter Cell, c'était pas trop ma came pour les mêmes raisons que vous. Siphon Filter, j'ai essayé d'aimer le jeu parce que ça avait l'air d'être sympa, mais en fait, j'ai arrêté au bout de 3-4 quêtes. Il me reste une dernière question. Comment cette œuvre vous poursuit aujourd'hui et de quelle manière? Est-ce que vous y, comment vous y repensez? Audrey. Ben moi j'ai pas j'ai jamais rejoué au MGS. En fait pour dire moi j'ai fait vraiment les 1, 2, 3. Je n'ai pas continué à saga parce qu'après il y avait des exclus en fait. Et pendant un moment, tout simplement. Et même maintenant aujourd'hui que les exclus ne sont plus là, parce que moi j'ai la One et je sais qu'il y a MGS maintenant qui est sur Xbox One, ça fait trop longtemps que j'ai joué pour me remettre dedans. D'accord. Donc je préfère garder vraiment ce côté souvenir, enfin voilà, ça fait partie du développement de la PlayStation pour moi qui était une des super consoles et ça reste vraiment dans les sagas que j'ai aimé faire mais que je ne suivrai pas. Ok. Donc t'as joué ni au 4 ni au 5. Non. Ok, d'accord. Intéressant. Je connais ce qui s'est passé, ce que j'ai suivi, mais je ne l'ai pas fait. Ok. Guillaume? Bah moi déjà il y a une figurine de Hall Snake qui me regarde sur la bibliothèque d'en face là, que j'ai depuis ma première chambre d'étudiant quand MGS4 était sorti et qui a jamais quitté mes logements depuis. Et C'est l'action figure où tu peux changer les mains, tout Non, ça? non, non, c'est une figurine qui était offerte dans l'édition Ah oui, collector en fait, d'accord. donc il n'y a pas trop de points d'articulation, par contre il y a son M4 modifié, son petit couteau, etc. Et sinon, non, j'essaye de refaire les jeux de temps en temps. Alors là, bah, forcément, quand j'étais ado, je les faisais tous les ans, maintenant avec la vie active, c'est un peu plus compliqué. Je les ai quand même refaits aux vacances de la Toussaint de l'année dernière, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'avais pas, je crois pas que j'avais refait Peace Walker parce que ça prend trop de temps. Et non, enfin, ça reste la grande saga de jeux vidéo. J'avoue que je suis quand même très content qu'elle soit terminée, même si si ça s'est même passé entre Kojima et Konami, parce que déjà pour moi, le 5, il y avait des très bonnes choses dedans, mais il y avait aussi des choses qui me plaisaient pas du tout. Et non, et vraiment, c'est une grande saga de jeux vidéo. Alors maintenant, elle a un peu plus disparu de ma vie parce que bah, j'achète plus trop de produits dérivés, etc., par manque de place depuis que j'habite à Paris. Mais je prends plaisir à les refaire en me mettant dans des bonnes conditions, quoi. Pas un jeu auquel je vais jouer en écoutant un podcast ou en regardant une série ou quoi que ce soit. Je me mets vraiment à fond dedans. Et comme je regarderais une grande saga comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, par exemple. D'accord. JB? Bah moi j'ai pas rejoué à Metal Gear depuis que j'ai fini le 5. Mais en gros en fait à chaque fois quand il y avait un nouveau Metal Gear qui sortait, je refaisais tous les autres. Mais là ouais j'ai un peu ce truc de ça y est en fait, c'est.
pour des mauvaises raisons, en plus c'est terminé, tu vois, c'est pour des histoires d'embrouilles entre studio et créateur. Donc j'ai pas vraiment envie d'y revenir pour l'instant. Peut-être qu'un jour je relancerai, peut-être je me prendrai une déterre et je me referai toute la saga, sauf effectivement Peace Walker parce qu'il est très 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 long. Et maintenant qu'il n'y a plus de vrai multi, il y a certains passages qui doivent être très très durs. Mais ouais, c'est une saga que je mets derrière moi, mais qui m'accompagne en fait dans ce qu'elle m'a appris, dans ce qu'elle m'a raconté, dans la manière que j'ai de voir les jeux vidéo maintenant, de voir la narration dans les jeux vidéo. En fait, elle m'a tellement marqué en tant que joueur que à chaque fois que je joue à un jeu, j'ai toujours Metal Gear en tête en fait. Ça restera toujours, c'est ancré en fait dans mon ADN de joueur Metal Gear Solid. Et du coup, même si j'y joue plus, même si maintenant j'ai plus rien qui me projette dans la saga et dans la série, elle est toujours là. Et peut-être la seule chose qui pourrait m'y faire revenir, c'est si ils annonçaient des remakes des premiers épisodes, tu vois. Parce que voilà, le combat entre Snake et Grey Fox au milieu d'un champ de mine, j'ai quand même envie de le voir dans une version un peu mieux que les 3 pixels de la NEC, quoi. Et si j'ai peur que la saga revienne par contre sur le grand écran. Ça me terrifie un petit peu. Vous allez empiéter sur le quiz. Ça, il va être rapide, rassurez-vous. Johan? Comment c'est quand même ma compagne? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est la première fois où je me suis obligé, enfin, où j'ai été obligé d'affronter des narrations aussi compliquées. Et en fait, ça a beaucoup structuré ma façon d'approcher différents types d'œuvres par la suite. Il y a quelque chose qui est très non linéaire en fait dans la façon dont tu vis un MGS. Pour plein de raisons, parce que c'est la campagne promotionnelle du jeu qui te trompe, parce que le jeu en lui-même est plein de faux semblants ou ce genre de choses. Et t'as tout un. Enfin, je trouve que ça t'inculque une espèce de think outside the box qui est hyper intéressant et que moi j'ai souvent recherché par la suite, à la fois dans du livre, à la fois dans de la bande dessinée, à la fois dans du film, dans du jeu vidéo, peut-être même plus encore dans le jeu vidéo. Et puis en vrai, il y a un côté très philosophie, leçon de vie, etc. Qui m'a accompagné depuis mes, je sais pas, 8-10 ans, grosso modo, d'épisode en épisode, avec des personnages parfois différents, etc. Et souvent, j'ai l'impression d'avoir eu une espèce de maturation qui est aussi beaucoup liée à certaines des œuvres que j'ai suivies, surtout sur d'aussi long terme. Et je pense qu'MGS a beaucoup, beaucoup joué là-dessus. Le côté très humaniste de l'œuvre, notamment, en fait, il est prégnant et. Il te fait ressentir énormément de choses qui te semblent être des choses presque logiques de bien et de mal, mais en rajoutant des petites complexités derrière. Ce que je disais sur Liquid tout à l'heure, rien n'est véritablement simple dans MGS, et du coup tu peux te permettre de commencer à apprécier des personnages, à les comprendre, ce genre de choses. Bref, il y a un réseau de complexité en fait qui fait que je trouve que c'est rarement atteint dans le jeu vidéo ou que c'est malheureusement rarement atteint dans des œuvres en général. Mais ça participe de ma construction mentale de ouf en fait. Aujourd'hui encore, il y a plein d'éléments que je vais analyser, que je vais réfléchir. Je vais avoir des formes de curiosité pour d'autres qui sont liées à ce que MGS m'a fait ressentir, à ce que j'ai affronté dans MGS, le coup des manettes ou ce genre de choses, le think outside the box quoi, entre guillemets. Eh ben, merci à tous. On en a terminé. J'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi. Est-ce que vous avez le temps pour 5 minutes de quiz? Eh ben, vas-y. Vous n'allez pas déjà nous quitter? Il est l'heure de jouer! J'avais deux, trois questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça va être super marrant! Bon, ça va pas être bien long. J'ai eu qu'un petit peu de temps pour le faire. J'ai une ou deux questions retors, hein, cela dit. Vous scandez votre nom pour vous donner le droit de parler, d'accord? Ok. On commence par une facile. Quel est le véritable prénom de Solid Snake? JB. JB. David. C'est ça. Je rappelle que j'ai des propositions si jamais vous collez. J'avais en l'occurrence Michael et Jean-Louis à vous proposer. Sachant que dans la VF, ils disent Dave. Ouais. Effectivement. Ah, j'ai vu ça sur la page Wikipédia, que c'était un petit ajout de la VF. Je suis pas allé chercher très loin la suivante non plus, qui ne concerne pas le jeu mais son créateur. Quel âge a Hideo Kojima?
Oula. Alors, je vous donne trois propositions et vous allez me dire ce que vous en pensez. 47 ans, 53 ans, 56 ans. Guillaume? Ouais. Je crois que c'est 53. Il me semble qu'il a l'âge de ma mère. Eh ben non. Il est plus vieux, je pense, beaucoup plus vieux. Hein. Mais il vieillit, il est au Kojima? Bah, Audrey a vu juste, il a 56 ans. Ouais, il est vieux, bah, il est plus tard, plus ouais, plus ouais, tard. Il a l'air d'avoir 40 ans facile, mais de ouf. Le début de quarantaine, et en fait, bon, bah non, il est presque un vieillard. Le titre du projet de clonage, Les Enfants Terribles, est tiré d'un roman d'un auteur français, lequel? JB? Ouais. Jean Cocteau? Bien joué. J'allais proposer à côté Émile Zola et Frédéric Becbédé. laquelle de ces armes... Attention. Laquelle de ces armes ne fait pas partie de l'arsenal de Snake dans le premier Metal Gear Solid? Donc celle-là, je suis obligé de vous sortir les armes en question. Est-ce que c'est le PSG-1? Est-ce que c'est le MP5? Ou est-ce que c'est le Colt M4? JB? Ouais. Bah, c'est le Colt. Ouais, bien joué. Mmh. Pourquoi? Parce que le PSG-1, c'est le fusil sniper. Mmh. C'est quoi la deuxième que t'as dit? Le MP5. C'est le... ça, je sais plus ce que c'est, mais le Colt, c'est l'arme de Revolver Ocelot. Et en fait, c'est une arme qui est dans le MGS2. Et donc c'est la petite entourloupe, sachant que le PSG1, je me disais, tiens, PSG, mais non, c'est pas une équipe de foot. Et le MP5, c'est la mitrailleuse qu'on voit dans Stargate aussi, pour les fans. Et ouais. C'est un jeu qui est... C'est une arme qui est fournie en mode Very Easy, dans MGS1. Alors, d'accord. Depuis décembre 2019, le script d'un hypothétique film MGS est terminé. Il a été rédigé par un jeune réalisateur. Qui donc? Guillaume? Ouais. Jordan Vogt Roberts. Bien joué. C'est le monsieur qui a fait Kong Skull Island. C'est ça. Voilà. Donc, c'est voilà. On verra bien. J'ai pas vu Kong, il a l'air plein de bonnes intentions. Hein. Genre, je sais pas si vous avez vu, mais sur son Twitter, il partage plein de concept art et tout ça. Après, voilà. Il y a les bonnes intentions d'un côté et il y a le résultat de l'autre. Yep. Et là aussi, je vous renvoie sur la page Wikipédia anglaise de MGS pour avoir des infos croustillantes, les tentatives de Uwe Boll d'en faire un film, ce genre de choses. Apparemment, Oscar Isaac s'est dit intéressé pour le rôle titre, hein, mais bon, on verra. Bon, c'est JB qui l'emporte, mais j'ai une question bonus, et juste pour le fun. Combien de fréquences du codec pouvez-vous me citer? Je peux y aller? Vas-y. Alors, 145, c'est pour appeler Meryl. Ouais. 140, 85, c'est pour appeler le colonel. Ouais. 140, 96, c'est pour sauvegarder. Ouais. Là, je commence à sécher un petit peu. 141, 12 pour Otacon. Ouais. Vous vous arrêtez là? Il y avait 141-52 pour Natasha, 141-80 pour Master, 140-48 pour Deep Throat. Et c'en est terminé, merci à tous les quatre. Merci. Merci. T'as pas... Il te manque Natasha. Non, je l'ai dit. Non, c'est donné. 141-52, Natasha. Ah, d'accord. Bah, c'est Naomi alors que t'as pas dit. Non, parce que tu l'as... J'ai pas Naomi, tiens. Ah bah ou alors Naomi, c'est sur la même fréquence que le Campbell, peut-être. Ah bah oui, je pense. Parce que oui, là, je ne l'ai pas dans ma liste. Je ne sais plus. Ça doit être ça. On va conclure avec la question habituelle. Est-ce qu'on peut aujourd'hui jouer ou rejouer à MGS premier du nom, selon vous, Johan? Ah ouais, grave. Et amusez-vous sur la VF. Je pense que c'est le plus gros obstacle à reprendre MGS1 aujourd'hui, mais en vrai, avec un peu d'autodérision, c'est vachement marrant. JB? Alors oui, on peut totalement jouer à MGS1 maintenant. Effectivement, si vous y avez jamais joué, la VF, elle peut vous faire un peu mal. Mais si vous y avez déjà joué, la VF, elle passera toute seule, quoi.
En même temps, je dis ça, mais je suis même pas sûr qu'il soit accessible, le jeu. Là, il était complètement hors compile jusqu'à présent. C'est pas, ça doit pas être ça. Non, non, il est sur. En fait, il est disponible sur le PlayStation Store. D'accord, ok. Et ce qui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est pas dans les versions physiques, dans les Legacy Collection et les trucs comme ça ouais. que t'achetais. Le jeu est pas dedans. Par contre, quand tu prenais les versions PlayStation, t'avais un code pour télécharger. C'est MGS1. Ça, ouais, d'accord. Ouais, je me sens bien. Voilà. En fait, MGS1, il reste exclu Sony. Alors que à partir de MGS2, c'est dispo sur Xbox et il y a même eu des versions PC, il me semble. Ouais, j'avais oublié la distinction. Audrey ? Oui, je pense qu'on peut tout à fait jouer à MGS, enfin, on peut le découvrir en tout cas, même encore. Et après, faut pas avoir peur de la VF, au contraire, moi je pense que ça peut rendre le jeu peut-être un peu plus drôle, voilà, ce côté kitsch quoi. Guillaume, tu termines ? Ouais, bah oui, on peut totalement y rejouer. D'ailleurs, je suis content que tout le monde parle de la VF avec un petit peu d'affection parce qu'elle a été vachement décriée. Et si ça vous intéresse, on peut trouver l'intro de MGS4 doublée par. C'est Emmanuel Bonamy, je crois, il s'appelait le doubleur. C'est ça, de ouais. Ouais, c'était des fans qui s'étaient mobilisés pour lui faire rejouer cette scène. Et le jeu, il est totalement rejouable et de toute façon, il est indispensable si on veut découvrir Metal Gear. Parce que, on ne l'a pas dit, mais dans MGS4, on retourne à Shadow Moses. Et alors là, c'est le torrent de larmes de nostalgie qui coule, donc c'est totalement incroyable. Il y a même le skin d'ailleurs avec le face camo de Snake version PS1. Donc, non, bien sûr, c'est toujours aussi jouable. Et après, peut-être que sur une télé de maintenant, ça pique un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Bah voilà, je vais vous remercier une dernière fois et on termine évidemment par un petit tour d'horizon de vos actus, de votre éventuel autopromo, réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Bah Guillaume, à toi. Moi l'autopromo, à moins que vous vouliez retourner au lycée, c'est très limité. Mais, et puis sur mon Twitter, à part repartager des gens intéressants qui font des podcasts, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de contenu, voilà. Tu participes à des quiz sur Tolkien aussi. Oui, ouais, ça m'a beaucoup beaucoup fait rire, je l'ai envoyé à tous mes potes et j'ai été battu par une personne qui a fait 23 sur 24 et j'avais un petit peu la haine. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un quiz, c'est personnage de Tolkien ou antidépresseur, donc allez voir, c'est marrant. JB, tu l'as dit tout à l'heure en intro, Outrider, Landrider. Bah exactement, voilà, si vous aimez Star Wars, Outrider, si vous aimez Warhammer, Landrider, et puis j'ai d'autres projets qui arrivent bientôt, je l'espère. Mais tu nous en parleras bientôt, je l'espère. Audrey ? Bah moi, je suis en train d'apprendre à faire des vidéos pour les cocktails, là, donc je fais mes propres vidéos, j'essaie de faire des montages et autres. Et là, du coup, je suis sur la préparation de l'écriture d'un livre de sur les cocktails. L'écriture de quoi ? D'un livre sur les cocktails, en digital. Oh. Voilà. D'accord, je suivrai ça de près. Et enfin, Johan, on te retrouve à BDNet Nation. C'est ça, 36 boulevard de Charonne dans le 20e, pour parler bande dessinée principalement, mais on peut parler de tout autre sujet geek ou de tout autre sujet. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Et si on vient te parler de bande dessinée Metal Gear ? Ouais, bon là, c'est bien... quoi qu'en vrai, graphiquement, c'était pas si mal, hein, Ashley Wood. Non, c'était Ashley Wood, ça, non ? Ouais, c'était assez classe, d'ailleurs. Non, mais non, par contre, bien, je ça. Peux pas me les procurer, ça. Je crois que c'est dispo qu'en numérique, maintenant, non ? Ou à l'import, peut-être ? C'est déjà épuisé. C'est Manabook qui l'a réédité il y a 2-3 ans, il me semble. Bah, tiens. Ouais, ouais. Mais je vais faire mumuse, je vais aller lire ça. Mais on a appris un truc au libraire, c'est quand même fort. De ouf. Non, en plus, l'objet, il avait l'air pas mal, quoi, donc va commander ça. Quant à nous, les auditeurs, bah, vous pouvez retrouver Pas Trop Vieux sur Twitter, Facebook, Insta, vous savez comment ça marche, hein, commenter, partager, liker, etc. etc. Je rappelle qu'un tableau est à votre disposition pour consulter, voire proposer des sujets si vous voulez qu'on traite d'une œuvre datant du début des années 2000. Je vais tenter de ne pas oublier de le rajouter dans la description de ce numéro-là. La prochaine fois qu'on se réunira, c'est avec une nouvelle équipe et a priori toujours chacun chez soi. Ce sera pour parler d'un film et d'un grand The Thing de John Carpenter. Je suis joie par avance. Pour une fois, j'aimerais imposer le morceau musical de fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si il n'y en a qu'un seul à choisir, bah c'est quand même... je veux l'entendre par l'un d'entre vous. Bah, le générique de fin, The Best is Yet to Come.
Voilà, j'espérais que je savais qu'on serait d'accord. Tu l'as dit, c'est le morceau qui accompagne le générique de fin. Il a été écrit par la japonaise Rika Muranaka et traduit en gaélique par, alors attention, c'est imprononçable, Blood Nate Ni Chun Fake, et interprété par, oh là là, Aofe Ni Fair Rate. Bon, évidemment, il faut être irlandais. Tu l'as parfaitement dit. Oui, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut être irlandais pour savoir prononcer ça, mais bon. Merci à tous les quatre, c'était cool. On se revoit bientôt avec les distances de sécurité autour d'une bière. Quand tu veux. Bon, on ira au Licorium, tiens. Allez, bonne écoute à tous, prenez soin de vous et à bientôt. J'y pense là, on a oublié de le dire, mais moi j'ai rencontré Johan grâce à Metal Gear. Comment ça?
Ah mais oui, c'est vrai. C'était à, ça remonte à longtemps. Dernier Ça bar. remonte à la promo de MGS5. Ouais. C'est quand on avait organisé avec Sullivan, Alex et les gens de Gameblog une soirée au Ah mais j'y dernier étais à bar ça à en la fin du plus. monde. Bah ouais. Mais c'est C'est là où il y avait c'était la pour la première doublure fois. de Coyote, là c'est ça, non? Ah non 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 là c'était sur les analyses des premiers trailers de MGS5. Ah d'accord, donc ok. Je On pensais que vous avait parliez été de la soirée particulier en où il y effet. avait la comédienne. Non non mais ça c'était au moment d'une Comic-Con, il me semble, ou d'une Ouais. PCE, je sais Oui, plus, oui, oui, mais oui. là le truc c'était bien avant quoi. D'accord. Bah, c'est bien, on a l'origine story que je mettrai en bonus de fin, c'est parfait.